Chers invités, et puis internautes qui a regardé nous tous. C'est avec grand plaisir, mais surtout avec grand intérêt, que nous avons invité nous toutes dans la conférence matin qui est sur les relations, l'urgence et la nécessité pour nous repenser les relations Haïti avec les États-Unis. Conversation ce matin, la fête. Dans une conjoncture particulière pour Haïti et pour le monde entier. Conjoncture ça, c'est conjoncture qui est marquée par un pile violence économique dans le pays d'Haïti, qui est marquée par un pile violence sociale. Et nous profiter de ce moment-là avant que nous continuions pour nous saluer mémoire Evelyne Césaire et nous demander tout le monde de camper pour quelques secondes pour nous saluer mémoire Evelyne Césaire. Représentant aux grosses autorités, et Mario est palais national, c'est ça? Et puis grand média, n'est-ce pas? Vous attendez. Bon, ça me café là. Ambassadeur, bienvenue, n'est-ce pas, Lionel? Ben, toutes les amis, Leslie, bienvenue, oui. Je vais suspendre là, oui. Il y a trois amis là. Bon, et d'abord, merci pour là, matin. Parce que pour le monde prendre la rue aujourd'hui, il faut mettre femme sous. Ok? Mais là où il y a ces nécessités quotidiennes pour les haïtiens, donc ne pas qu'à le gain, il faut prendre la rue, il faut continuer à prendre la rue. Donc merci pour là, parce que là, je dis merci pour tout le monde qui est sur Facebook, captain de nous, parce que Facebook Live, j'ai dit là, ça c'est un instrument de communication banalisé de plus en plus dans la société, hein? Même si nous ne parlons pas pour ça, nous faisons plongeon. Hein? Et bon, je dis merci spécialement à Fritz Jean. Qui d'abord a accepté de jouer rôle, on dit animateur provocateur, pour conversation par le fait là. Et Fritz Jean, formation, expérience, dual, c'est-à-dire qu'il y a à la fois dans Haïti qu'aux États-Unis, et nous allons parler là. Expérience dans l'administration haïtienne, donc, il y a un regard que nous allons projeter sur la dynamique bilatérale. Ça. Bon. Pour la TIDO même, c'est le même genre. Il fait ici, il étudie l'autre bord. Travaille ici, travaille à l'autre bord, est ambassadeur et
Haïti pendant 5 ans? 7. 7 ans. Ambassade de PHTK pendant 5 ans. Ambassade de PIA pendant 6 ans. Bon, c'est ça. Trois administrations. Bon, c'est pas de problème, c'est ça lié. Bon, pas de problème. Et il travaille donc à la fois dans l'administration publique et dans le secteur privé. Donc, il a une expérience très riche de vivre aux États-Unis. Et il a une réflexion sur l'expérience. Là. Et je pense que c'est somme ça que le partage avec nous et matin, avec peut-être quelques éléments de provocation. Mais je vais rappeler, Paul, ou Kablié, où tu es là, oui? En 2013. Ah, 2013, où tu es là? Où tu es là? Où tu as parlé de politique étrangère, Haïti vis-à-vis des États-Unis, et politique étrangère, États-Unis, par rapport à Haïti. Je veux dire, au fond, l'autre saut. Parce que dis-nous, n'a re, entre parenthèses, repenser relation Haïti États-Unis d'Amérique. Donc, faut penser où? Faut repenser où? Ensuite, on ajoute dans notre provocation, on dit avec urgence et nécessité. Nous ne pas attendre. Nous ne pas faire. Bon, éléments sont déjà quoi alignés là, c'est tout champ de bataille que nous allons déplodonner tout à l'heure là. Et lorsqu'on entre dans la logique relation, bon, l'autre dimension, on ne prend pas de point en 2013. Ou, en 2013, c'était sous dimension politique. C'est actuel l'État qui a opéré. Relation et politique. L'autre dit relation, on dit tout bagaille. Nous, toute la donne, Bounia. Nous, même citoyens, la donne. Entreprise, je la donne. Multinationale, je la donne. ONG, la donne. Société civile, la donne. Diaspora, la donne. Et ça, pas le Kembe, là, je veux dire. Bon. Alors, eh bien, ça mène à nous. Même nos réflexions que faut partager avec nous. Parce que États-Unis, c'est pas mes cap dit là, nous tous habitués à tendre le dire, répéter le vivre, c'est une nation qui puisse influencer Haïti dans tout domaine. Et le plus important pour nous, d'abord au niveau démographique, c'est là qu'il y a plus de monde, il y a plus de petits dehors. Ok? La Kaili. Au niveau économique, tout. L'argent qui a sorti là et qui nourrit. Développement économique qui nourrit besoin social pays, n'est-ce pas? Et nous, par contre, dit que ce n'est pas 33% PIB, Fritz, l'argent qui sort à l'étranger, en grande partie États-Unis, c'est ça, donc son moteur dans l'économie pays. Et pourtant, si on cherche investissement américain en Haïti, bah, non, c'est, on s'y aiguille dans bottes de foin. Quand même, son paradoxe qu'il y a là. Ça va empêcher que le deuxième importateur de Durilac à Yotou, tiens. Un paquet d'éléments de paradoxe, de contradiction qu'il a. Okay? Mais en tout cas, il est important pour nous parce qu'il est occupé une trois fois. Il est dans l'armée, il crase l'armée à tout. Parfois, c'est eux-mêmes qui font l'élection pour nous. Ils ont voté dans la place haïtienne. Et nous avons gardé tout de temps en temps, toute classe politique, économique confondue, nous avons fait un tweet qu'un fonctionnaire du département d'État dit ou nous avons fait un tweet. On déclaration sur Facebook qu'ambassade américaine a dit pour nous qui ça pour nous penser, qui ça pour nous dire, qui ça pour nous faire. Et ça n'a pas gêné seulement dans la classe politique, non, opposition, gouvernement, secteur privé, tout grand chef d'entreprise, grand dirigeant sur le patronal, nous fait le constat. Donc, États-Unis, c'est important pour nous. Mais l'on parle de Haïti par rapport à n'importe qui pays dans le monde, comment nous, obligé de quimber en considération. C'est qui moun nou ye, côté nous sorti. Je dis toujours, si tu parles avec Genio, je dis Haïti, pas n'importe qui pays. Haïti, son fréquencité. Nous paraître sur planète là, non ordre mondial, dominé par l'esclavage. Comme mode dominant de création de richesses dans le monde occidental moderne. Et toute la pensée philosophique, critique, confortée avec ça. Richesse États-Unis, richesse la France, richesse Angleterre, Espagne, basée sur l'exploitation, nous-mêmes esclaves. Nous fait fréquent, nous pas être sous scène, nous prenons place, nous dit mais nous. Et nous camper comme une nation libre. Évidemment, peut-être fréquencité ça, il faut payer toujours. Parce que déranger l'ordre mondial, c'était l'ordre mondial dominant, ou déranger. Depuis là, un pile va changer, un pile va pas quand même genre, le discours pas quand même genre. Puisque là, on paraît comme une exception, comme une fréquence dans le monde.
ben m'a regardé en arrière pendant des fréquents oui mais des cap fréquents même te connais posé tout m'a ba deux trois petits éléments on prend un on dit soir matin on t'a fait par hasard puis me dit faut me partager ça avec nous est-ce qu'on est dans une localité relée Mineur Bodin pardon Mineur Borin une localité qui est en bas monde de Kao et ben dans l'autre localité plus loin même son quartier les Boudet dans vallée à Tibouné d'Ali même m'a appris que en 1805 je recevais 600 ouvriers spécialisés qui sortent de Baltimore qui sont venus faire ils viennent renforcer usine qui fabriquer des armes et munitions pour la Médaïti, mais pour exporter tout bah États-Unis non en bas des Kao Mineur Borin chercher côté ça Mineur Borin et Boudet en 2005 année 2005 13 juin 1805 pardon 1805 dans rade de New York un consortium financier les Ogden c'est à coup de canon avec un banquet de 100 couverts que les recevoir l'arrivée d'un bateau cap d'Haïti n'a porté bois qu'en pêche n'a porté café cacao sucre etc. c'était la fiesta OK dans année 2004 m'a regardé le Connecticut un bateau qui arrivait en Haïti avec 80 000 dollars marchandises les lap tourné il vient en octobre les lap tourné en décembre 3 mois plus tard il chargé café coton cacao bois de construction pour le double de cette valeur 1804 octobre 2004 mon cher 2004 octobre 1804 t'as bâti. Alors ce qui est intéressant c'est que je dis à les comptes de nous abîmer pour soutenir cela, ils viennent avec matière première, là, ils tournent vite. Là, ils tournent avec le double de sale côté. OK. Donc, ça me dit là, je dis que la discussion qu'on a fait, je dis à là, c'est l'occasion pour nous réfléchir sur notre tête. Nous. Qui nous y est, côté nous sortir. Mais surtout, ça qui passe nous là, qui s'arrive là, ça qui mène là, je dis à là. Évidemment, comme. Nous faisons fréquenciter, il n'y a pas même fréquenciter ça, il faut payer fréquence, c'est vrai. Et nous avons tendance toujours à rendre les autres responsables. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça seulement. Nous premiers responsables. Nous plaignons souvent que les étrangers humilient nous. Et pourtant, nous faisons diplomatie couchée. Qui ça a expliqué, par exemple, qu'on sénat dans le pays, nous pouvons dire ça déjà, nous dit déjà dans notre conférence, a écrit. Congrès américain où il a fait une lettre by State Department pour demander de prendre sanction contre l'exécutif là nous. Parce qu'il a fait mal élevé, il n'a pas capable de contrôle. Sénat pas moi. Quand il y a l'autre congrès, l'autre sénat, l'autre State Department pour demander aide, pour lui demander de résoudre le problème là nous. Mais il a mis le pied sous cou, ou plein, hein? Ou dit, il y a un milieu, il va expliquer la dignité. Qui ça explique que les politiciens nous tout en ensemble, comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent. Sous qui système d'intérêt, mais sous qui système de valeur, li base décision politique li au quotidien. Et je comprends ça, eh bien, ou pas genou, ou pas coucher, ou qu'à comporter avec intelligence, ou qu'à comporter avec de manière responsable. Eh bien, c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Le premier pas ça que nous faisons aujourd'hui avec l'ambassadeur Koué Paul Latido, avec conférence, nous avons intention d'aller au-delà de ça. Moi, j'ai dit, moi, une dame, mon ton cher d'études américaines, ici, là. Pour me prendre les États-Unis comme objet d'étude. Déchirer, décomposer, l'analyser. Contre qui moulait, comment elle fonctionnait, comment elle pêchait, etc. Anticiper conduite, parce que je connais l'histoire, je connais la culture, je connais le paradigme, je connais l'économie, je connais tout. C'est la caille. Okay? Nous pouvons arriver là parce qu'on cherche d'études, besoin de sponsor. Ok? Nous avons expérimenté son cher étude que nous faisons ici, d'ailleurs, sur la Constitution depuis 2013. C'est la première fois que mon cher dans la ville qui est un sponsor. Je cherche dans tout le pays. Je suis un étranger. Je suis de tout le secteur privé. Au financement. Lorsque mon cher Ericsson, c'est Ericsson qui finance. Lorsque mon cher n'importe qui passe. Bon, je ne suis pas jeune ça. Je suis un chef d'entreprise, un homme d'affaires haïtien, qui montre intérêt pour supporter une réflexion sur la Constitution du pays. Si je mets bol bleu, je blanc, la bon cob, même pas capable de faire ça comme blanc. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a lui-même qui est là? Qu'est-ce qu'il y a là? Qui sont partenariats
entre secteur académique et secteur privé, mais toujours qualifié comme, étant un accident de responsabilité sociale d'entreprise. C'est un accident lié. Parce que le secteur privé haïtien n'a pas investi dans le social comme ça. Il n'a pas investi dans un projet sans retour sur investissement. Ça n'a pas qu'on fait. Accident, ça n'a pas qu'on répéter. Donc, dans mes fonds chers d'études, même qu'on est mal mêlé avec elle. Parce que c'est nous-mêmes qui finançons avec zone par nous, ressources par nous, la chaire sur la Constitution qu'on a fait fonctionner depuis 2013. Et Dieu seul sait comment l'utile, l'irriguer, penser, secteur politique là, et il fait proposition, il fait analyse, documents, colloques, etc. Et sous les fonds de la Constitution, certains, il faut regarder là, ça a été fait. Comme la commission parlementaire a été faite déjà. Okay? Dans mes fonds chers d'études. Par contre, il n'est pas capable. Mais mes questions sur la table là, pour nous tous qui l'a. Mais en attendant, nous faisons notre bagarre. Je m'attends. Depuis un an, je n'ai pas annoncé ça aujourd'hui, hein, nous travaillons en partenariat avec Inter-American Dialogue. Inter-American Dialogue, c'est un think tank américain basé à Washington, qui connaît Haïti très bien déjà. Mais mal plusieurs fois, depuis sur les 10-15 dernières années, je fait 3 ou 4 conférences là, Kayo. Je toujours travaillé sur Haïti. C'est un think tank qui est plus spécialisé sur la question Amérique latine-Caraïbe. Nous, le président de la Sécurité de Washington avec Lionel Lula, tout qui était là, ils ont intéressé à un discours que nous avons sur Haïti, sur la relation Haïti-États-Unis, et puis ils ont dit, bon, nous avons un fonds à voir. Donc nous faisons un think tank associé, qui est ce qu'il y a, Inter-American Dialogue. Il n'est pas un think tank importé. Il n'est pas un think tank côté panaméricain pour dire nous ça pour le faire. Non. C'est nous-mêmes qui avons déterminé les chantiers, nous. Les chantiers, là déjà. Relation Haïti-États-Unis. Oui, pour le moment entré à la Jordia, la première belle entrée. Ben intéressé à la question, diaspora. Diaspora haïtienne, c'est un potentiel, son force potentielle de changement et de modernisation de la société haïtienne. Pas seulement l'argent là, mais capacité scientifique, technologique et managériale. Tout ça, c'est des pour changer, pour nous mobiliser l'on joue. Ça a intéressé. Mais mettez si tout font un changement, côté ressources peut-être pas suffisant pour maîtriser, la question du changement climatique. La question qui l'école pour faire en Haïti. Comment pour moderniser le système de santé, comment pour lutter contre la corruption. Peut-être l'offre fait lutte contre la corruption, machine là qui est tellement sophistiquée, on n'a pas fait le beaucoup de gens alliés à l'étranger. Toute lutte contre la corruption qui réussit, Guatemala, Honduras, ou association étrangère, on n'a pas fait le beaucoup de tout. Bon, mais son think tank, je dis à Manon Séli, nous fait activité ça dans le cadre de la première manifestation en think tank, qui est-ce qu'il y a, Inter-American Dialogue. Je suis capable de dire que c'est le premier jalon que nous faisons, pour nous montrer que oui, les États-Unis intéressent nous comme un partenaire potentiel, côté un pile haïtien à vivre, côté un pile l'argent sorti pour Vision Haïti, leur seul nous intéresse, mais c'est sa politique américaine. Et je veux dire, malgré tout ce qu'on a comme crise États-Unis, peut-être, bon, moi tout pour nous saluer Biden, mais Biden n'est pas président. Pas qu'un cap dit Trump, pas qu'un président, légalement. Mais sans mettre sûr, ou quand il y a deux toits escamouches, mais il ne peut pas le bouler au vote électoral. On ne peut pas obliger d'offrir bouche là-dedans. Chance pas qu'il y ait ambassade américaine, pas qu'il y ait un groupe là qu'il y a. Pour faire des ordres pour eux. Donc il y a pris les questions pour compte, il y a là, mais faire confiance. La CAEPOR, malheureusement, on pays que les États-Unis, tout je dis, capable peut-être permettre lui manager un mauvais président. Pour qui ça? Parce qu'il y a une structure, il y a des assises solides, il y a une institution, il y a un cadre normatif puissant, capacité pour un président pour qu'on ne pas le faire dégâts. Faut pas sous-estimer, mais l'illimité. Tandis que la CAEPOR, ce qu'on mauvais président, ou mêlé. Capacité de destruction massive dans l'institution, dans l'économie, dans la vie monde au quotidien. Parce que pas de rempart, ou pas d'institution, ou pas de cadre normatif, ou pas de société civile suffisamment forte, ni un secteur privé qui peut camper en face. Li. Donc, un président, c'est, comme on dit ça dans le cas paysan, son trois poutets. Les trois poutets. États-Unis, pas de ça. Donc, les étudiants, comme mécanique, comment raisonner, comment réfléchir, comment penser, qui paradigme, je ne prends pas de où. Je prends pour l'amour. Je vais répliquer. Je vais servir pour compenser les faiblesses. Mais c'est dans la dynamique ça qui est aujourd'hui. Là. Son conversation vient de faire aujourd'hui. Paul Paul dit un pile qui peut être provocateur. Et il a dit à partir de expérience vécue, mais de réflexion comme scolaire, c'est l'expérience qu'il vit. Fils Paul fait provocation pour nous, puis il n'a pas sous sa conversation. Ça peut tout le monde qui est là-haut nous va inviter par hasard. Et nous connaissons que réflexion que nous avons sur la question ça. Nous connaissons ce que nous avons, nous connaissons la contribution que nous avons fait à un bal que nous lançons aujourd'hui là, mais qui parle continuer à marcher
balle la pral marché. Conversation pas finie jeudi avec conférence là. Merci pour présence là. Je vais passer ambassadeur à la parole pour me dire les compliments et puis merci pour l'effort là. Ah non, oh non, pardon. Excusez-moi, point impair, merci. Point impair, bien modérateur à là, mal pour pouvoir se dire. C'est un snack ou d'état, oui. Parce que le recteur tellement commencé pour vocation, il besoin rapidement que l'ambassadeur Altidor réponde. Mais juste avant que nous passions l'ambassadeur Altidor la parole, nous avons un coup de vidéo de Georges Fauriol qui fait partie de Think Tank Haïti. Think Tank Haïti, c'est une association de l'Université Quisqueya et de Inter-American Dialogue. Donc Georges Fauriol fait partie, c'est un membre de steering committee de Think Tank Haïti. Donc nous allons regarder une vidéo très courte. Et après, nous allons passer la parole, nous allons introduire l'ambassadeur Altidor. Merci beaucoup. Bonjour, je suis ravi de contribuer quelques commentaires aujourd'hui au nom du partenariat Think Tank et de me joindre à Jacques Dumarc pour cette importante conversation avec l'ambassadeur. C'est en fait exactement le genre conversation de réunion qui encourage ce partenariat entre l'Université Quisqueya et l'Inter-American Dialogue à Washington. Le sous-titre du thème de discussion met l'accent sur la nécessité et l'urgence de repenser les relations américano-haïtiennes. Le moment, en fait, ne pourrait pas être meilleur compte tenu des changements probables qui se produiront à Washington dans les mois à suivre. Cela ne suffit pas. Profiter de cette opportunité nécessite une réflexion et une action sérieuse à la fois. Alors, permettez-moi de faire trois brèves observations. Tout d'abord, alors que les changements peuvent être en cours à Washington, en réalité, Haïti n'est jamais hors du radar de la politique américaine. Le défi, en fait, est d'anticiper avec précision quels seront les besoins réels au cours des prochains mois, plutôt que de ce qui se passe malheureusement très souvent, qui est l'élaboration politique qui répond à la crise du moment de la crise. Deuxièmement, il existe une ressource, si on peut dire, essentiellement inexploitée par les dirigeants haïtiens qui pourraient répondre à certains besoins nationaux. Il s'agit de la diaspora, et en particulier la communauté haïtienne aux États-Unis et au Canada. Cela permet aussi un engagement plus direct d'acteurs clés, en particulier aux États-Unis, tout au niveau des États, New York, la Massachusetts, la Floride, dans lesquels opèrent des communautés importantes, aussi bien culturelles, politiques évidemment, mais qui représentent en fait un intérêt haïtien directement lié aux États-Unis et aussi bien à la diversité. Cela nécessite un engagement sérieux de la part du secteur public haïtien ainsi que des institutions privées telles que l'Université Quisqueya qui elle-même est déjà engagée dans ce domaine. Et troisièmement, alors que l'on repense les contours des relations américano-haïtiennes, il est probablement avantageux aussi d'envisager un contexte régional, Haïti et le reste de la région, le reste des Caraïbes. Cela offre, à mon avis, un menu plus large de réseaux institutionnels, de ressources diversifiées, y compris d'investissements, et en fin de compte aussi une voie, amplifier en fait une voie haïtienne et de la région qui est plus efficace dans les principales institutions de Washington, notamment le Congrès américain. Donc, cette conversation aujourd'hui avec l'ambassadeur Altidor se situe à une conjoncture très importante. Bravo. Merci beaucoup. Je vais soulever quelques points que moi-même que je souligner sur la question ça là.
Il y en a un point, premier point important, c'est que son moment idéal pour conversation, ça que nous avons fait là qu'on est là. Et par rapport à changement probable qui a gagné au niveau de la gouvernance à Washington. Deuxième point, justement, par rapport à changement probable, ça, il y a une urgence pour nous repenser les relations haïtiano-américaines. Et par rapport à changement, ça, il faut que nous anticipions avec précision qui besoin que nous-mêmes que nous avons construit. Et deuxièmement, rôle que diaspora a gagné. Bien content que Prince a souligné, et de fait, et recteur Lumac a souligné point question de diaspora, parce que là maintenant, dans le 21e siècle, là, nous n'avons pas qu'à penser à Haïti qu'on y a là, à l'intérieur de 27 500 km². Il faut que nous gardions Haïti par rapport à la diaspora que nous gagnons. En fait, capital cognitif Haïti, nous n'avons pas qu'à garder seulement à l'intérieur de 27 500 km². Il faut nous garder capital cognitif là, ça que nous gagnons ici, mais ça que nous gagnons au niveau de Miami, au niveau de New York, au niveau de l'Europe, etc. Et troisième élément qui est entré dans le coup de vidéo, ça, c'est là, je crois qu'il est extrêmement important, nous avons souligné ça avant. Et il faut que nous gardions Haïti à l'intérieur de la région pour que nous gardions, on voit, comme il l'a si bien dit, on voit amplifier, on voit haïtienne amplifier dans ce qu'il a dit, dans la redéfinition relation région avec les États-Unis. Maintenant, pour introduire l'ambassadeur Altidor, nous avons dit que la conversation que nous avons matin est extrêmement importante par rapport à ce que nous vivons là. Et d'ailleurs, que ce soit M. Lumac, que ce soit M. Fauriol, il a souligné la question de crise que nous vivons là. Et M. Lumac, je pensais qu'il anticipait et provocation n'a pas dit que ça passait, qui côté que nous sortit pour nous là qu'on y a là. Haïti qui a gagné toute espérance, ça passait que nous arrivions à un niveau de désespérance et surtout à un niveau de déchirement social qui fait que nous vivons en transformation dans la relation monde dans le pays d'Haïti. Relation l'État avec le reste de la société. Question ça, je pense que c'est une question que l'ambassadeur Altidor pourra le répondre. Ambassadeur Altidor, tout pour répondre, ça que, et peut-être que le recteur Lumac souligné en filigrane, c'est que la relation que nous entretenons, qu'on y a là, avec les ambassades, pas seulement l'ambassade américaine, c'est des relations que nous construisons. En fait, comment l'ambassadeur peut le montrer nous? Construction qui fait là, en fait, c'est nous-mêmes qui créons ça, type de relation que nous avons avec les autres. Maintenant, la question qui se pose, comment nous-mêmes nous supposons comprendre les autres, que ce soit. Et République dominicaine. Et vous entendez, le recteur Lumac a parlé de on cher, pour nous bien comprendre, bien saisir, bien comprendre l'autre, n'a a parlé de États-Unis. Mais je pense qu'il est extrêmement important. Il y a un pays qui collé avec nous. Côté que nous avons, il y a une relation économique extrêmement importante, comme moi je vis du côté de la frontière. Nous avons près de 1000 containers qui ont venu chaque mois qui ont entré de la République dominicaine vers Haïti. Il faut que nous connaissions qui ça paye, ça fait. Pays ça lui-même qui a défini stratégie économique, stratégie commerciale li, par rapport à route numéro 6 qui a passé par Inchla, qui lui-même qu'on y a là commencé à penser point d'entrée le t'a supposé du côté de Mirbalet, parce que l'entrée Mirbalet il y a 60-70 km du grand marché de Port-au-Prince, il y a peut-être en centaine de kilomètres du plateau du nord, on a parlé de Saint-Raphaël, il y a en 40-45 km de la Tibonite. Donc lui-même il a pensé économie par rapport à ça que nous-mêmes avons fait. Et d'ailleurs, qu'on y a là, le Napalais de République Dominicaine, son marché qui est extrêmement important, nous-mêmes, son marché qui est extrêmement important. Donc, il faut avoir cher, que ce soit l'université Kiskeya ou ailleurs, des mondes qui ont pensé relations haïtiennes-dominicaines, parce que de leur côté, ils le font. Donc, conversation ce matin, que l'ambassadeur Altidor doit pas le faire, c'est justement pour garder les défis et opportunités, pour garder comment que nous avons supposé déconstruire construction ça que nous-mêmes que nous faisons pour nous construire un autre type de relation. Donc, je ne vais pas prêter plus parce que je pense que la question est déjà soulevée par le recteur Jacques Lumac. Donc, nous allons suivre attentivement l'ambassadeur Altidor. Bienvenue. Il a dit que, comme le recteur Lumac a souligné l'expérience ambassadeur Altidor du côté de l'ambassadeur à Washington et ensuite comme professeur invité au Massachusetts Institute of Technology qui est dans le département planification et développement urbain. Donc, nous parlons attendre avec un pile intérêt, il y a un monde qui gagne un pile expérience et un monde qui gagne surtout en sensibilité par rapport à ce qui a passé dans la diaspora. Merci et bonne écoute. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'Université Kiskeya pour l'invitation.
Et m'a profité saluer ensemble de invités qui l'a ajouté avec nous physiquement et puis tout le monde qui a suivi nous à travers Internet et qui a attendu nous la radio. C'est vraiment un honneur, c'est avec un grand plaisir que m'accepter venir là une fois de plus parce que j'ai fait exercice ça déjà en 2013. Et pour me la jodia, l'ensemble souhaiter qu'il y ait une conversation qui est enrichissante en termes de clarté, en termes d'information que je souhaitais contribuer en dans ce sujet ça. Mais plus important, je souhaitais que l'exercice ça jodia Jean-Recteur Adien, ils sont catalyseurs, ils sont déclencheurs de un plus gros mouvement que m'estimer que pays en jodia, ils ont une obligation pour que l'entrée dans dynamique de réflexion stratégique, l'entrée dans dynamique de réflexion intelligente autour qui j'en abscène les relations ça entre nous-mêmes avec les États-Unis. Relation ça est trop importante, relation ça est trop cruciale pour vie de société nous, pour que malheureusement Haïti a gardé à gérer avec autant de légèreté. M'a expliqué ça m'entend par légèreté la relation ça du côté haïtien. Mais avant d'entrer dans le sujet, permettez-moi prendre peut-être quelques secondes pour me situer présence moi là aujourd'hui, mettre en contexte ça me bral dit là. Moi, j'ai passé 7 ans à Washington comme ambassadeur. 7 ans, dans le contexte diplomatique, c'est une éternité que lié. En moyenne, à titre d'information, un ambassadeur qui est à Washington, il fait 3 ans après une rotation qui fait au niveau de pays. Alors, dans 7 ans, moi, j'ai en pile, moi, j'ai en pile, moi, j'ai en pile. Au niveau de relations haïtiennes-américaines. Et plus important, avec fonction, avec chapeau d'ambassadeur, ça, perspective que je joins là, est relativement unique parce que c'était moi seul qui était en dans fauteuil ambassadeur à suivre la relation ça à niveau ça. Au-delà de cette année d'ambassadeur là, moi fait quelques années je travaille étroitement avec deux anciens présidents américains et leur équipe qui ont gain un mandat pour que yo accompagner pays dans le processus de reconstruction. Alors là aussi, moi était un témoin privilégié de relation sur l'autre angle. Moi, ouais, ça vous pensez de nous. Moi, ça vous dit de nous. Mais en même temps, tout. Moi, ouais, ça nous dit tout. Alors, quelque part, c'est somme de vécu ça. C'est somme d'expérience ça. Yo. En plus de tout le temps faire la Banque mondiale, des fois, après entrer sortir ici, j'ai vu d'ensemble que je gagne de relations hein, à plusieurs niveaux, dans plusieurs angles. Je souhaite que c'est ça que je peux partager là aujourd'hui. C'est sous base ça aussi. C'est sous base de vécu ça. Moi, je suis convaincu, et je mets le chapeau académique pour me dire, il y a une urgence là, il y a une nécessité là, pour que le pays, s'il ne repense pas relations ça, en profondeur, avec toute complexité qu'il y a là-dedans, là, quelque part, son suicide n'a pas commis là. Il y a une injustice n'a pas commis à tête nous, et Jean-Jacques et Recteur Assoudzil, n'a amusé n'a parlé de blanc, 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 mais quelque part, il y a un devoir à l'interne. M'espérer, sans débat maintenant, c'est sous ça m'a mettre. Je ne vais pas parler de Biden là, je veux dire. Alors, nécessité de qui ça m'a parlé? Moi, je dis à la nécessité parce que, en novembre 2020, les États-Unis, c'est pays d'accueil pour des centaines de milliers d'Haïtiens qui vivent l'autre bois, qui mangent l'autre bois, qui travaillent l'autre bois, et puis qui voient cob ici. C'est ça, on a parlé de transfert qui fait 2-3 milliards de dollars, alors comparé là avec l'autre côté. Bref. Et voilà que paysan de manière chronique pas jamais une politique migratoire vis-à-vis des États-Unis. M'a parlé de nécessité parce que je dis en novembre 2020, une quantité de citoyens américains qui nés de parents haïtiens qui font bonne bagarre là-bas et aux yeux de la constitution amendée en pile dans citoyens américains ça yo, c'est haïtien que yoyé. Un pays a parlé de la logique que n'a compté population. Non, à d'autres termes, il y a 11-12 millions d'habitants. Est-ce que la démographie, ça fait partie de lui-même? Mais plus important, est-ce que une réflexion stratégique a fait comment que la démographie, ça nous entre en dans l'équation de développement et n'a parlé là dans le pays? Bon, pour exemple, il y a un monde qui a dans le pays à cet temps-ci, de temps en temps, il y a un tweet qui a fait sur lui. Naomi Osaka. Jodi a un petit monde qui fait deux parents haïtiens, lui-même, il embrasse ses racines haïtiennes. De temps en temps, moi, je suis rentré ici. Mais un petit monde comme ça, ça le représente. En passant, c'est athlète féminin qui a fait plus comme sur la terre. Je ne vais pas parler de l'argent, mais je vais parler de poids que le représente en termes d'influence. Selon le magazine américain Time Magazine,
c'est une parmi 100 personnalités qui plus influentes dans le monde là. Et puis voilà que le pays a gardé lui et probablement l'a monté là, excusez-moi l'expression, l'a monté drivé dans le pays, a le fonti projet côté papa le sorti, mais pas une réflexion stratégique qui a fait autour de qui gens pour que nous embrasser un monde comme ça. Et voilà que dans 7 ans d'ambassadeur, moi ouais des centaines de monde comme ça qui a excellé, qui embrasser racine haïtienne et puis pays en chita passivement n'a gardé. Moi dit nécessité jodi en tout parce que en 2020 les États-Unis, c'est premier partenaire commercial non. En pile dans ça n'a consommé c'est aux États-Unis que nous importons. Le peu de production nationale nous gagnons, on forte partie là-dedans, c'est le marché américain que nous ciblons en termes d'exportation. Encore une fois de plus, est-ce que y a une réflexion stratégique qu'a faite sur notre politique économique vis-à-vis des États-Unis? Je dis, on a parlé là, moi je dis nécessité aussi, garder dans le secteur santé, garder dans le secteur éducation. N'importe haïtien qui a un petit moyen en main, il a tête fait mal, s'il est capable, c'est ma amie l'a filé. Est-ce que le pays a compris, a gardé la dynamique ça? Tout petit monde qui a besoin d'un petit boost pour partir là-bas? Ou bien tout parent haïtien qui a dépensé une petite fortune pour voir les petits à l'étudier là-bas? Quelque part, en logique ça, est-ce que vous avez une réflexion qui a fait sur l'université haïtienne? Moi, je dis nécessité aussi parce que les États-Unis, Jean-Rector Louis Maxo dit tout à l'heure, nous avons une histoire avec eux. C'est plusieurs interventions militaires que nous subissons là. La police nationale noire, création, quelque part, c'est le support américain qui mettait presque dans sa globalité, en termes de formation, en termes de même support, et non seulement logistique, mais financier aussi. Alors, sur cette base, paysan, j'ai l'impression par moment, il n'a pas réfléchi de façon stratégique, qui ça veut dire pour lui. L'homme ou ton avion saute Miami, avion chargé missionnaire là-dedans, missionnaire religieux, missionnaire de santé, missionnaire académique. Encore, tout le monde qui a entré et sorti dans le pays, moi parler de missionnaire et santé, nous avons un petit monde qui saute Cuba, paysan par moment, il n'a pas gain. Il n'y a pas de créer infrastructure pour un pile dans Timothée Dame Saurité Lampéian. Je passe le temps comme ambassadeur, je signe l'aide de non-objection pour tout le monde haïtien. Quand il prend la médecine Cuba, au lieu que probablement paysan créer politique publique pour Yoshita Lampéian, pour offrir service, et voilà que Yoshita comme ambassadeur a demandé l'aide de non-objection pour travailler aux États-Unis. C'est-à-dire que même le rapport Sud-Sud Haïti a parlé de lui très souvent, c'est les États-Unis qui ont bénéficié de lui. Encore, c'est dit, m'a dit que, une réflexion intelligente, une réflexion stratégique que paysan, il est perdu là-dedans, là, quelque part. Je ne peux pas prendre plusieurs raisons encore. Je vais prendre un dernier qui n'est pas des moindres. Et le recteur Lumax a mentionné là, je dis à, en 2020, pays d'Haïti, tout acteur confondu, il n'a pas dit un mot sans que mot ça, il a plutôt fait un mot composé avec le bagage blanc là-dedans. Et en pile fois, l'on dit blanc, nous dit blanc américain. C'est-à-dire que quelque part, d'un point de vue politique, le poids américain sous échiquier national là, est alarmant. Et voilà que la partie, et m'a dit encore pour tout acteur confondu. Pour qui ça m'a dit ça? Nous, on nous compte, je dis. Hein? Au moment où on a parlé là, on tweet ambassade américaine qui a tout simplement déstabilisé tout le pays là, au moment où on a parlé là. Nous rendons compte aujourd'hui, quand on a parlé là, on tweet l'ambassade américaine qui a retiré le président Jovenel Moïse côté le Chita. Nous rendons compte quand on a parlé là, on tweet l'ambassade américaine tout carrément qui a neutralisé par exemple le mouvement de rue dans la rue. Parce que on peur, on respect de blanc, entre guillemets, haïtien, probablement c'est Axel en 12, c'est avec Pepto Bismol à marcher l'emprochure, depuis américain parlé. C'est dit, m'a dit là tout, l'expérience de l'ambassadeur maintenant, cette crainte. La force américaine, ce n'est pas Dimda Dil qui n'a pas gagné long, mais il y a une partie là-dedans qui est fictive aussi. Et dans la tête, nous lié. Et nous créons pour contre nous, et voilà qu'on y a, nous peut monstre que nous créons pour contre nous. Voilà que je dis à l'ambassade américaine, les vins ont un poil échiquier de vie nationale, nous, tout simplement, excusez-moi l'expression, les aberrants. Pas gagné en dignité haïtienne, nous dit tout le monde confondu, qui ne peut pas faire un petit calcul pour ne pas regarder derrière, pour dire, bon, moi, ça blanc pensé. C'est comme si nous venions perdre toute capacité de levier nous pour nous faire des réflexions qui pas nécessairement impliquer les États-Unis. Encore, on me fait mise en garde. De toute façon, histoire de interférence des États-Unis, l'envie de société en pile, dont Haïti.
Mais ça, c'est constant que lié. Moi, déjà, qu'on est déjà. D'où je vais ajuster la stratégie en fonction de ça. Mais tout simplement, cette facilité de rester passivement comme blanc-dil et ça pour faire là, excusez-moi, c'est temps de faire comme ambassadeur, moins well que c'est nous créer base. Et mythe ça, c'est notre tête non liée. Alors cette pression, en partie, je dis toujours que c'est fictive. On regarde un petit peu pays aujourd'hui. La persistance des dégringolade systématique là de pays en le fonctionnement à tous les niveaux. Au niveau économique, moun sou moun, kay sou kay, garde circulation. C'est-à-dire que gon déconstruction qu'a fait là au niveau de société. Déconstruction ça. Moi pas là pour me dire que c'est américain qui est responsable malheur nous. Loin de là. C'est dit m'a dit comme ça que gon poids que en dans déconstruction ça que n'a pas assisté là. M'espérer tout le monde d'accord même que gon déconstruction qu'a fait là. Jodi a en 2020 Haïti plus pauvre que 2019. En 2019, Haïti était plus pauvre que 2009. En 2009, Haïti était plus pauvre que 1990. 1990, Haïti était plus pauvre que 1980. Nous ressemblons dit là. En d'autres termes, gon bagage systématique qu'a fait là, gouvernement passé, moun vini moun aller, ti mari pas monter, en fait ti mari a descendre. Et l'a descendre vite là. Alors cette déconstruction, c'est dit m'a dit comme ça que en partie, c'est à cause de cette réflexion stratégique. En partie, c'est à cause que paysan pas pensé qui j'en que pour le définir politique pâle vis-à-vis des États-Unis. Et voilà que nous avons pile levier là maintenant, nous avons pile actif, et puis il n'y a pas fait le niveau pour le tap fait là. Quand il s'est regardé le football, Guana logique, je m'aime toujours utiliser. Lorsque vous regardez le Brésil avec l'Argentine dans le football, malgré nos émotionnels dans le regard de Brésil, l'Argentine ou bien Real Barcelone, nous n'avons aucune façon que nous influencer les jouets que nous regardons. En d'autres termes, son divertissement n'a pas gardé la télévision et puis qu'on y a accepté et puis on a fait discussion dans la rue. Et voilà que pays en par moment, la peu bonne discussion ça sous blanc, sous blanc, sous blanc, il pas rendu compte que ils sont joueurs sous terrain ça. Haïti quelque part graduellement l'a retiré tête sous terrain parli, côté pour ta meneur de jouer dans jouet parli et voilà on retiré compte ambassadeur, soit penser blanc va le faire pour nous. Quelle absurdité! Alors c'est sous base ça, m'a dit que pays a une obligation, il a urgence là pour repenser relation. C'est-à-dire que encaisser, oui, il y a une force américaine, mais quelque part, nous avons une force tout pour capitaliser sur lui. C'est sous base ça, m'a dit que réflexion stratégique ça yo, réflexion intelligente ça yo. C'est moment, nous l'on kafou là, quelque part, nous carité jeunes parce que le poids américain sous échiquier national là. Après tout ça, nous sommes énumérés là en termes de diaspora, nous, en termes de relations économiques et tout, pour ça qu'a fait deux bagailles pour nous. L'ICA, à la vérité, c'est une stratégique, c'est une intelligente là-dedans. L'ICA a bouffé d'oxygène ça que nous jouons là pour que pays finalement, il mette tête sur son rail, qu'a fait le faisceau qualitatif là. Mais c'est là qu'on a demandé que bon réflexion qu'a fait à tous les niveaux. Donc, espace à me camper là-dedans là. Mais du même coup, pour ça, nous quitter le tel quel, du train que ça va, pour ça, tout simplement asphyxier le pays. Alors, déconstruction, ça, et pas assister, n'a pas assister encore, c'est construire, n'a pas construire déconstruction, ça, la façon que Haïti, ni la forme, ni la forme, l'a entretenu une relation, ça, depuis des décennies. Je m'a parlé de gouvernement, ça, m'a parlé de gouvernement antérieur, là, m'a parlé d'un bagage là, qui, de façon chronique, que le pays, quelque part, n'a pas adressé. Alors, c'était un petit peu le pourquoi. Pour me montrer un petit peu nécessité pour que gon urgence là pour paysan ou repenser relation. Comment on a fait? Ça veut dire que n'a pensé paysan autrement. Ma pose une question rhétorique parce que déjà nous tout le monde a une réponse ça. La très difficile. Gon la gon document stratégique de politique étrangère nous vis-à-vis des États-Unis que c'est pour gouvernement ça, que c'est pour gouvernement antérieur là, c'est pour tout gouvernement qui est venu avant eux depuis déjà très longtemps. Pays, quelque part, l'a joué de ça de façon ad hoc. C'est-à-dire que par une ligne que pays définit peut-être pour dire voilà les grandes lignes que n'a fait relation ça avec les États-Unis. C'est-à-dire que historiquement, pays s'est réagi, l'a réagi en relation ça avec les États-Unis. Gros monde qui était les Duvalier, ah, moi-même, m'a aligné bon côté américain pour montrer le m'a communiste, pour m'a craser mon ici. Mais presque pas de rien. L'homme dit ça de façon large.
parce que pas de trop gros bagarre encore dans relation. Pas de trop viande dans zoa. Et puis tout gouvernement qui succède lui, c'est presque même bagarre là parlé là. Relation en tête monde. N'improviser, nous changer, mais quelque part, pas un canevas qui aide que la relation ça lui prend forme. Ni. Pour ça, m'a parlé de une vision et une stratégie. Stratégie, ça, quelque part, je dis toujours comme ça que plutôt, parce que soit aller dans toute direction, comme ça, j'avais dit, ma boulonne en haut, bon, l'autre n'est qu'à déboulonner en bas, et voilà que nous avons même intention. Bon, pour exemple, qui est lié avec l'université, qu'est-ce qu'il y a, ou peut-être l'université haïtienne. Moins pour l'Altidor, moins pas d'avis que payant de façon systématique, et d'ailleurs, il vient tout courant dans la diplomatie, nous, n'importe quel pays qui a besoin de demander à Haïti un bagage, il fait un cadeau de 3 bourses. Et puis voilà que personne n'a pas gardé un petit peu qui impacte sa gain sur l'université haïtienne. Ça dit, je dis, me dit comme ça que chaque homme qui est comme ambassadeur, un petit monde, ambassadeur de femme, on bousse, il dérange, parce que je me dis que même temps pour laisser femme joindre. Bouslan, il a pris même temps ça pour me convaincre en université américaine pour le partenariat avec l'université Kiskeya. Ça dit que je vais garder même bagage université, mais sur l'autre angle. Mais encore, ce n'est pas moins pour l'Altidor comme ambassadeur, mais comme individu. Là, on a parlé de tout un mouvement d'ensemble. Il y a un débat en d'envie nationale là, autour de politique publique, mais c'est de ça qu'on a parlé. Très souvent, par une politique publique, ce n'est pas parce que mon pas une idée, non. En pile fois, le dirigeant prend idée comme politique publique. Là. C'est l'idée, hein? C'est la stratégie qui découle de l'idée, hein? C'est le leadership pour mettre d'elle pour assurer que bagala li gen moun d'elle. Et plus important, c'est le moyen de mettre d'elle. Et puis à travers une bonne action coordonnée. Et voilà que, en matière de relations avec les États-Unis, li trop ad hoc. N'a improvisé trop. Et puis, espace ça, comme nous pas défini stratégie, nous, espace là paraît vide. Et voilà que gen 2 acteurs. Qui prend espace ça, et puis c'est là, excusez-moi l'expression, brigandage a commencé. De qui ça m'a parlé? Vite ça, le fait que par un canevas pour que pays de façon systématique, de façon intelligente, avance dans la relation. Nous plus de façon ad hoc, nous monter, nous descendre, nous garder ça blanc pensé. 1. Les États-Unis, je dis, ils ont une stratégie, ils parlent vis-à-vis d'Haïti. En 2013, moi j'étais là dans l'université Kiskeya. Le recteur Lumac t'a invité à faire un exercice comparatif la relation entre la politique étrangère de pays. Document ça. Moi venu à Vell en 2013. C'est le document stratégique des États-Unis vis-à-vis d'Haïti. Moi j'étais surpris pour me voir la quantité de monde dans la société là. Y compris des acteurs très sophistiqués qui sont très impliqués dans la relation haïtienne-américaine, qui ne parlent pas de qui ça m'a parlé. En d'autres termes, les États-Unis décident, encore c'est leur pratique, ils ont une politique qui définit des visages dans l'ensemble de pays, dont Haïti. Et voilà, en passant, document, ça, c'est un document public que lié. C'est pas, je ne vais pas vendre aucun secret d'État là, soit sur Internet ou à besoin. Et voilà que presque tout acteur confondu, par contre, un petit peu, comprendre qui j'ai américain à bouger sous terrain. Pas de rien, pas de rien à vivre là aujourd'hui qui s'est fouillé du hasard du côté américain. Tout ce qu'a critiqué américain, quelque part, et professeur Lumac t'a dit, bon cadre normatif, il est obligé de respecter pour un ensemble de raisons, bon culture comme ça. Et voilà que acteur haïtien, pas de jambe compte de qui ça m'a parlé. Et en passant document ça, il est de mise toujours dans un contexte stratégique pour les américains. Bon caricaturel en 2 mots pour nous, qui est un document ça a dit. Ça sont documents qui sont rédigés après 12 janvier. Mais encore, point de départ li, n'a rien à voir avec Haïti. Document dit, n'a pas le premier paragraphe de, il a défini pour qui ça que politique étrangère vis-à-vis d'Haïti, mais là qui logique yo est. Encore, ma prépité verbatim, ça capte dans le document. Nous, les États-Unis, nous rendons compte que le monde là, il y a une bonne mutation qui a fait là-dedans, il y a un bon changement qui a fait là-dedans. Nous, les États-Unis, nous rendons compte que l'hégémonie, la puissance mondiale, nous n'avons pas qu'à appuyer sur les piliers traditionnels que nous avons fait. À savoir, force militaire, nous,
ou bien force diplomatique nous. Nous estimons le nouveau monde ça, deux piliers ça yo, yo pas répondre aux grands défis de l'heure. Alors qu'on y a, nous estimons que gon l'autre bagala peut-être nous ca élever au même rang que deux piliers ça yo. Lirele aide au développement. Voilà qu'on y a, si nous levons, nous mettons force nous derrière. C'est là qu'on a parlé encore de politique publique. Ce n'est pas juste d'un deal, mais nous mettons moyen derrière. Nous estimons, au lieu que nous avons un bon petit pays, parce que le défi de l'heure, ce n'est pas un problème militaire que nous avons avec le pays, nous avons un avec eux, c'est plus un problème d'inégalité dans le monde, là, une façon pour calmer l'esprit du monde. Là, qu'on y a, nous estimons qu'un ensemble de pays, à cause de vulnérabilité, à savoir pauvreté et autres risques climatiques, ont l'autre approche pour nous gagner vis-à-vis de eux-mêmes. Haïti, on a parlé de documents stratégiques par eux. Haïti répond à tous les critères pour nous tester la théorie. Le document a daté de 2011. Alors, nous avons initié ensemble de bagarre là pour un petit peu à travers politique étrangère nous vis-à-vis d'Haïti en mettant moyen derrière idée ça pour nous voir que est-ce que théorie ça l'a kakembe. J'espère nous comprendre ça m'a dit là. En d'autres termes, nous juste un cobaye l'on pigo bagarre que nous parlons nous compte que ça lié. Et voilà que tout acteur haïtien, ça me le dit par là, c'est-à-dire que tout aspect caracol, ce n'est pas dit me dit en pile dans sa cap fait, il n'y a pas de bénéficiaire parce que quelque part, théorie, on dit qui ça. On met cop derrière ensemble de bagages, ensemble d'investissements, qui a aidé l'an pays ça peut-être levé. Mais on n'y a pas de marché, un, si partenaire local là, par contre, ça va faire. Et deux, il n'y a pas entré dans la dynamique paysan, dans le contexte de développement, je vais aller. Et voilà que presque tout paysan, ah, j'aime de compte qui ça, américain, a parlé là. C'est-à-dire que je dis à l'autre, on tweet sorti. Ambassade américaine dit élection, surtout dans le même petit document, ça, on ne peut pas comprendre la logique pour qui ça que y a goumé pour élection faite. Pour qui ça, tous ces corridors noirs que y ont été impliqués là-dedans. Alors, c'est Dimab dit encore, en dans canvas, ça, quelque part, pays a un espace pour le jouer. Même en dans ça, pardon, pas une stratégie, il prend espace là. Pour qui ça, m'a dit, il prend espace là. Les États-Unis ont toujours une politique étrangère vis-à-vis d'Haïti. Mais on a vu que la politique étrangère Haïti vis-à-vis des États-Unis, une balance n'a créé. Comme nous pas mettre du tout, nous pas gagner, nous pas réfléchir en ces termes, nous avons un boulevard pour courir sous lui. Mais ça crive là, je dis. Haïti essentiellement qu'a réduit peut-être à un agent d'implémentation de tout petit projet USAID à faire dans le pays. C'est-à-dire, je dis, où il y a des ministères. Non seulement ce n'est pas en termes de financement, même portefeuille de projet, yo, c'est projet USAID que vous. C'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui. Tout chez eux est égal. Encore, projet pas nécessairement incompatible, mais ça m'a dit c'est que, en pile là-dedans, ce n'est pas des idées haïtiennes, ce n'est pas des réflexions haïtiennes. Là qu'on y a quelque part, recette ça, il y a plus de chances pour échouer que le réussir. Pour raison évidente, là, m'espérer tout le monde. Alors, c'était le premier bagage, mais estimé que les pays font un erreur stratégique, n'ont pas réfléchi politique vis-à-vis des États-Unis. Alors, je dis pays, je ne dis pas gouvernement seulement. Et puis voilà que l'espace, ça, il y a un autre acteur qui accapare de l'espace, ça, de vide. Ça. C'est acteur haïtien eux-mêmes qui utilisent la plateforme, ça, à savoir que pour nous faire de grandes conversations avec les partenaires américains. Autour de, je ne sais pas, relations avec les universités, relations pour tout haïtien ça au cap vivre là-bas. Bon, mon parenthèse m'a fermé immédiatement. Le lendemain de mon départ de Washington, je reçois un appel de vice-maire New York. Je suis logiquement. Et ici, on a fait un petit peu, on a gardé relations à la hauteur pour nous apprendre là. Ville New York, par année, il dépensait 30 milliards de dollars pour l'acheter bien avec service. Comme si rad pour pompiers mettaient équipement pour la police et manger que y a bail dans l'école publique. Merlin a fait campagne que on cale dans l'argent ça, tu voulais assurer que c'est groupe minorité qui gagne business qui bénéficiait de ça. On cas de 30 milliards de dollars na ouais qui ça t'avait dit. Et voilà que en dans groupe minorité ça qui est n'a parlé de haïtiens. De groupes latinos, ainsi de suite.
Alors, je te demande pour me faire une consultation pour garder qui que peut-être de façon économique, nous avons inséré. Où est-ce que la conversation payante a supposé gagner là de manière stratégique avec diaspora? C'est-à-dire, je dis, la ville de New York dépense environ 350 millions de dollars pour mettre plat chaud dans l'école publique de New York. Par contre, tirer sur Haïtien, non, Capone. Vous comprenez bien ça, ma hein? Et voilà que l'espace, ça, à côté que une bonne bagaille que le pays a supposé capitaliser sur lui, dans le cadre de réflexion stratégique, ça, yo, et pour venir jouer un acteur haïtien. C'est-à-dire d'un côté, les Américains jouent un espace pour courir avec stratégie, pas, on a réagi sur lui. Et puis, deuxièmement, qui vient créer plus gros pour moi-même, plus gros temps à payer, vient gagner tout simplement acteur haïtien, utiliser l'espace, ça, pour que vous internationalisez les litiges locaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, la relation haïtienne-américaine, qui dernière fois, vous avez regardé un tweet ambassade américaine, fait qui parlait avec un petit bagage dérisoire en d'un pays, que nous autres haïtiens devons résoudre pour nous. Regardez-vous. C'est-à-dire que son problème interne, son bagage qui nous dit n'a pas fait, nous pas fait, son problème entre un groupe et l'autre groupe, quelque part, la relation devient trivialisée. Et trivialisation de relation, moi, je dis comme ça que, en partie, la partie haïtienne est responsable. C'est des constructions, ça m'a parlé là. C'est-à-dire que Livin n'a pas de forme parce que acteurs haïtiens utilisent la relation ça à d'autres fins. Qui ça a d'autres fins ça est? Ils politisent. C'est-à-dire que chaque fond haïtien a le joué non blanc très souvent. Son petit problème interne, il souhaitait que blanc aide le résoudre. Et non discussion de fond qui t'a supposé élever débat éventuellement entre un partenariat sérieux avec les États-Unis. Combien de fois, regardez le boucan, nous avons un ami, un ancien président de l'Assemblée nationale là. Regardez pour qui dernière fois que une délégation sénatoriale qui déplaçait son discussion de tact à le fait et non une discussion de querelle politique à l'interne. Toute administration confondue, presque tout acteur politique confondu. Et puis, excusez-moi, très souvent, il fait sans forme. Il fait sans forme, très souvent. C'est-à-dire que c'est un haïtien qui monte là-bas, un, pour se faire voir. C'est-à-dire que je connais que les petites photos faites à Washington, les vinicites, ça veut dire dans tête monde. Mais le fond de la conversation, très souvent, contenu n'est pas là. Pour contenu n'est pas là, il faut qu'il prépare. Pour contenu n'est pas là, il faut qu'il réfléchisse. Et voilà que pays, de façon systématique, il n'est pas entré dans la dynamique de un petit peu faire réflexion stratégique. Là. En passant, il y a une raison qui justifiait que l'absence de politique étrangère paysan vis-à-vis des États-Unis. Et on a justifié, même si c'est irrationnel. Qui t'a arrivé? Je vais prendre trois exemples peut-être. Un, comme haïtien un petit peu, on respect, on sur-respect à la limite, on crainte de blanc. Ah, ambassadeur va parler de fonds d'affaires politiques étrangères. De toute façon, blanc a vint faire parler de toute façon. Je me dis, je excusez-moi si je dis comme ça, nous nous rendons compte de ça, m'a dit. C'est-à-dire que vin pas presque pas incentive en tête acteur nous pour entrer dans la dynamique ça. Deux, comme nous toujours gérer l'urgence, livre dit qui ça, nous presser pour nous faire une bonne bagaille. Le m'a parlé d'un politique qui gon stratégie d'elle, c'est un marathon. Ou préparer, ou réfléchir et puis jusqu'à ce que vous mettez moyen d'elle jusqu'à ce qu'on applique elle ou rendre opérationnel. Ou pas qu'à faire du jour au lendemain. Comme nous toujours pas qu'à attendre. Ah, ambassadeur, il faut pas y faire vite. Et puis voilà que, malheureusement, nous n'avons pas de raison pour que nous définissions la politique diplomatique là. Ou vis-à-vis des États-Unis. Mais, à la vérité, bon l'autre raison, hein? Là, dit que pays, nous toujours en crise. Moi, fait 7 ans à Washington comme ambassadeur. En 7 ans, moi, passé 3 présidents. Président Martelly, président Privert, président Jovenel Moïse. Je salue tous les 3 là, je vous dis. En 7 ans comme ambassadeur, moi, passé 6 premiers ministres. Gary Conning, Laurent Lamotte, Evans Paul, Enek Jean-Charles, Jacques-Guy Lafontaine, Jean-Henri Séan. En 7 ans comme ambassadeur, moi, passé 7 ministres affaires étrangères.
Et voilà que toute succession de gouvernements, ça y est, regardez les politiques étrangères, tout le monde vient pour réinventer la roue. C'est-à-dire que pas de temps vraiment pour nous faire stratégie sur le long terme. C'est de ça qu'on a parlé là, oui. C'est-à-dire que, quelque part, nous avons justifié l'irrationalité qui vient dans ce qu'on a fait là. Excusez-moi de me dire la bonne créole, pour mon Jérémy par exemple, attendez mieux. La bagaille que nous avons fait là, quelque part, très souvent, nous jouons une façon pour nous justifier. C'est-à-dire que toute succession de gouvernement, vous n'avez pas de temps vraiment pour réflexion ça, vous faites. Parce que tout le monde nous voulait livrer. Et voilà que la construction, c'est un marathon. Ou pas qu'à faire du jour au lendemain. Mais défi, ça, que nous avons devant nous là. Et puis voilà que le pays n'a pas pour repenser les relations, ni la forme, ni la forme. Pourquoi ça m'a parlé de forme comme ça? Pas une stratégie. Hein? Deux, même stratégie pas mounio, nous pas prêter attention à Avel pour nous articuler jeu tactique, non? Et puis voilà que en même temps, n'a parlé par moment avec peu de contenu. Et puis forme n'a manqué. Et me dit forme n'a manqué à tous les niveaux. Permettez-moi d'utiliser une anecdote. Nous sommes au moment de gain et mouvement GNB dans la rue. Gain un acteur politique qui vient de Washington. La font événement public de gens qui ont fait la journée. Et puis voilà que comme c'est un acteur de l'opposition à président Aristide. Beaucoup de gens ont encore dans leur vie. C'est bon, question encore, on parle de nous politiser, l'ensemble de ces bagages là-bas, là, ou autre qui a parlé là. Suivez logiquement. Acteur haïtien, il était besoin un petit peu montrer nécessité pour que le président Aristide ne fasse juste au pouvoir encore. Et puis, il est campé devant un auditoire américain. Il a expliqué qui est le président pays côté le Zotia. Quand on met Timoun dans le pilon, il a pilé. Mais si vous comprenez ce que je veux dire. Gon haïtien qui monte là-bas, cap expliquer blanc, gens que président pays, qu'on pile moun nan pilon. Vous voulez prendre au sérieux? Et m'te ka prend pile anecdote sur plusieurs autres gouvernements, que c'est acteur opposition, que c'est acteur gouvernement. Quelque part, c'est dit, m'a dit comme ça que cette déconstruction, c'est nous qui avons construit là. Et relation à ce haïtien-américain, la forme que y'a là aujourd'hui, il vient créer problème. Et voilà qu'au niveau opérationnel, la crainte, comme haïtien désespéré pour nous montrer que nous avec blanc, voilà que très souvent, même blanc vient rendre compte qu'il vient pour exploiter un petit peu notre faiblesse. Moi, j'utilise une autre anecdote. Nous sommes en 2008. Nous avons travaillé dans la Banque mondiale, nous sommes ingénieurs financiers. Nous avons monté descendre en Haïti de temps en temps le projet que nous avons travaillé avec pour l'État haïtien. Pour le projet atterrivé côté pour le territoire, nous avons estimé que peut-être il faut un aval parlement haïtien. C'est-à-dire que l'exécutif n'a pas aller de l'avant avec le dossier ça. Alors, tu es un ambassadeur de un gros pays ami que tu as invité dans l'hôtel Montana. Nous avons juste besoin de comprendre de son point de vue, comme les souterrains, en passant, nous avons un chapeau de fonctionnaire international. Ce n'est pas haïtien qui a parlé avec, il n'y a pas même connaître haïtien même. Et puis, ma PC Mandel, écoute, sans penser que Kijabunda. Parler avec parlementaire haïtien yo c'est m'a parlé de et monter m'a pour des trivialités relation vous connaissez le répondre dit ambassadeur vous besoin mon yo et parle en pile membre la parlement campé DSA acheter un ticket avion pour faire venir Washington je dis est-ce qu'on gagne l'argent il dit bon écoute nous sommes là pour mondial nous gagne pas là mais nous il dit non sous gagne ou gagne moyen là il dit non son projet que nous gagne activité là mais nous dit sous capable acheter un ticket première classe pour yo n'importe ça vous voulez. Ouais, il a accepté. Attends. Ou bien doit dire que c'est parlementaire ou qu'il nous respecte comme ça. Mais ça me plaît dire. Quelque part, l'un degré de trivialité relation vient arriver là, à cause, en partie, faute pas nous. Comme nous trivialiser tête nous, il vient trivialiser nous. C'est-à-dire, au même moment, je parle de parlementaire qui a caché ton billet, mais tout le monde a été pris quelque part dans le livre ambassade américaine. Peut-être que l'autre monde dans le secteur privé a senti. Il a invité lui-même à le prendre dîner de temps en temps avec l'ambassadeur. Il se sent. Son gros mounier dans le pays. Mais quelque part, tout le monde a boîté à faire pareil ou de façon pareil. C'est dit, m'a dit, attends, pays, de manière systématique, il n'y a pas qu'à trivialiser tête à ce niveau. Et voilà que ce n'est pas un problème de connaissance. Parce que moi-même, dans l'expérience de l'administration publique, là, moi, je vois un pile monde qui est super qualifié. Tout simplement, les compétences sont sous-exploitées.
polarisation politique ça que pays a vivre là depuis bien des temps, li reflété dans relation nous avec l'autre monde. Li reflété sous toute forme. On parle pas un tableau là qui est tellement négatif, mais parce que c'est dit m'a dit tout pour ça m'a dit qu'il y a urgente que nécessité pour nous repenser. C'est parce que tout pays en pile levier l'amel. Il y a actif l'amel pour que li prend relation ça, li mette le son li mette le pivot. Mais un pour mon dit qu'on veut 4. Quand j'ai basic, quand j'ai 3-7. Dans basic, la date, on va gaspiller. Trop souvent, nous prenons la date, on file comme si de rien n'était. Et puis, nous pensons que c'est 4. Voilà un petit peu côté paysan, je dis. Alors, en pile, là, levier, nous, c'est là, c'est dit, m'a dit que, bon, urgence, là, bon, nécessité pour que paysan, la réflexion stratégique, ça, il commence à réfléchir qui j'en ai capitalisé sur le levier, ça, yo. Je prends deux exemples de levier. Pour que ça m'a parlé de levier, encore, c'est parce que je ne peux pas ton perception que, comme on a dit les États-Unis paraissent gros, nous pas gagné de café dans jouet là. Alors que je me dis comme ça que non, tout terrain ça, tout bagaille qui arrive dans jouet là. Peut-être qu'on veut fouler. Mais quelque part, il faut qu'il pense, il faut qu'il réfléchisse. Bon, prendre le levier de géopolitique. En fait, quitter un bagaille qui arrivait vraiment. Chaque jour, je rentre ici, je suis dans la réunion, dans le palais. Mais tout le temps, la délégation cubaine a monté descendre dans le pays. Mais c'est chaque jour tout pour exemple en Haïti, parce que une délégation haïtienne qui a monté descendre avec le président, l'autorité haïtienne. Et voilà que, à l'époque, il y a quitté le président Obama qui a fait campagne pour qu'il ait régularisé la relation avec Cuba. Mais il y a un couloir pour la relation ça a joué une forme. Ni. Mais Haïti a une opposition unique pour le faire. En d'autres temps, il m'a dit waouh! Blanc cubain là, blanc américain là, tout le monde vient parler de petit aide, petit bagaille à faire avec nous. Et si seulement si nous réfléchis avec un niveau et que nous c'est couloir ça de dialogue pour nous. Mais initialement, c'est ça que tu as commencé à faire. Oui. Jusqu'à ce que encore le Canada et Vatican prennent crédit, en partie parce que y a un déficit de crédibilité de notre part. C'est-à-dire que le monde qui a dit Obama, attention, on va prendre un gros bagaille comme ça, quand ils sont faits, républicains, on va prendre au sérieux, non? D'abdié foufou tout, c'est dit m'a dit que plein bagay que nous pays a qu'à faire pour que les monte niveau jouet li. On te ka prendre exemple Venezuela, on te ka prendre pile l'autre exemple. C'est dit m'a dit que actif ça yo, levier ça yo, il faut pouvoir d'avoir les identifier et deux qui j'ai pour capitaliser sur yo. Pendant tout le monde a parlé de Biden patati patata. Nous rendons compte quantité haïtien-américain parce que je dis on a parlé de les États-Unis. Même tu as parlé de une bonne démographie d'haïtiens ou bien dis-moi d'américains nés de parents haïtiens qui lancent le pouvoir aux États-Unis aussi. Et voilà que pays par contre qui gens pour capitaliser sur accès ça. Mais en même temps tout c'est dit m'a dit tout, faut que pays bail allier le contenu. Si contenu n'est pas là, excusez-moi. Même mon n'a gêné pour l'aider. Excusez-moi, m'a choqué là qu'on y a. Je suis choqué. Je vais utiliser une anecdote. Je vais dire que faut que le contenu. Un parlementaire. Encore pour ça, je vais dire publiquement. Ce n'est pas ce que je vais dire au public. Ce n'est pas ce que je vais vendre là. Tout le monde connaît. En fait, c'est un parlementaire américain qui dit ça. Un parlementaire haïtien qui vient de nos réunions. Je vais parler 50e dans ce passé là. Pendant la salle de réunion, il va dire que je vais nous comprendre un petit peu. Payant l'architecture. Qui ça a un petit peu expliqué en partie notre déconstruction. Parlez-moi d'abgade et images pornographiques pendant la réunion. Parce que, encore, excusez. Retourne. Pour qui ça l'a regardé? Parce que probablement, le télon délégation l'a même pour qui ça l'a allé. Parce que probablement, le télon la long réunion l'a même pour qui ça l'a. Parce que probablement, le langue qui a parlé, qui t'a mêlé, le col nul, l'a fait un bagage. C'est parce qui semble dire par là, c'est parce que probablement pas de gain on travaille au départ qui fait. Mais c'est pas faute parlementaire non, parce que combien de fois comme ambassadeur ma pour délégation haïtienne qui a venu, tout le monde confondu. Ah, ambassadeur va venir demain, oui, soit bien faire demain. Ah, il invite moi là, qui est-ce qui invite là qui ça? C'est-à-dire que même la forme non. Combien de fois on voit que autorité haïtienne gens qui a trivialisé yo.
Ça dit une réunion peut-être qu'a fait Washington, une activité qu'a fait Washington, que moi-même comme ambassadeur, je vais même voir staff là caille moi et voilà que bon lettre officielle qu'a jeune premier ministre pays là-dedans. Mais comme c'est Washington, des fois je un bon empressement pour m'en aller. En d'autres temps, c'est dit m'a dit que relation ça signe pas repenser lui. Excusez m'expression, il y a tout en bas nous. Il vient compte qui j'en pour jouer avec nous dans ce sens-là. Alors c'est défi ça, on me dit comme ça que payant gon obligation là pour lever et voilà que nous gain moyen là main nous gain ammunition pour jouer de petit monde de football en pile fois perdre match football depuis match a commencé avant match a commencé jouer mal dans l'autre quartier mal joué me perd nèg yo me penser que bam coup me penser m'intimider mais là monter terrain après 2-3 minutes dit oh a pas m'a joué avec bien propre et puis me caler yo nous toujours utiliser analogie ça dans la relation haïtienne américaine c'est pas une question de caler c'est une question de qui j'en nous capitaliser sur relation. Mais pour nous capitaliser sur lui, ça demande une réflexion, ça demande un bagage que payant, trop, malheureusement, nous venons trop confortables à subir domination. Pays ça que les États-Unis, et puis voilà que ça nous va. Permettez-moi de finir avec peut-être deux points. Expérience comme ambassadeur. Étant donné que pays lui prend espace politique local là, li metel sous échiquier international et puis c'est ça nous relé relation avec les États-Unis. J'espère m'expliquer ça me dit bien là. Nous prend affaire la caille nous, affaire privé nous pote le bail blanc et puis nous dit que n'a fait relation avec blanc. Comme c'est ça qu'a pété des fêtes, voilà que paysan n'a fait pas sous place. Qui ça qui arrive qu'on y a au niveau de par exemple fonction d'ambassadeur maintenant. J'ai passé 7 ans à Washington. L'homme me dit, ah, ambassadeur Washington, c'est plus gros mission diplomatique. Moi, je dis, non, attends. Sous papier, c'est peut-être plus gros mission diplomatique. Mais dans la réalité, le pas ça, pour un ensemble de raisons. C'est-à-dire que, vu ça, les États-Unis représentent la tête haïtienne, la relation haïtienne-américaine, tout le monde qui est en bas. C'est-à-dire que je prends le temps comme ambassadeur pour me demander au président, écoute, ou mettez-moi là qui me fait job. Qui t'aime faire. C'est-à-dire que tout ce qui appelle l'ambassade américaine, nous n'avons pas besoin de prendre, nous n'avons pas besoin de paniquer. En passant, bon, on démystifie un bagage là pendant une seconde. Un bagage qui est l'ambassade américaine en tête haïtien, qui a une force extraordinaire au point que le cas asphyxie nous. Nous rendons compte, pendant que tu as parlé de levier, il y a un acteur haïtien qui a plus accès dans le milieu américain qu'un ambassadeur américain ici. Alors que tout haïtien pense que l'ambassade américain a juste dit les Trump et les Biden demain si Dieu veut. Encore maintenant, nous prenons nous faire tourner réalité par nous et puis n'a pas agi sous ça. C'est dit, m'a dit que il faut qu'il y ait moyen pour que nous relativiser ça n'a dit ça n'a fait yo. En d'autres termes, qui travaille de maison que pays a fait pour qu'on est acteur yo. Parce que Kachita va parler avec mauvais monde, va dire bon bagaille. Concert tout qu'on chita avec bon monde ou un mauvais sujet avec elle. Dans les deux cas, c'est parce que paysan par moment, il pas fait travail de maison ça pour lui assurer que lui agencer. Ça là on a parlé de politique publique, qui ça fait politique privée, une politique publique, c'est des actions coordonnées pour des objectifs bien précis. Vous mettez moyen d'elle. Alors, l'ambassade d'Haïti à Washington toujours estimé que son gros outil caillé comme pont non seulement pour rapport diplomatique de pays, mais tout ça, le recteur Lumac t'a parlé tout à l'heure. Qui j'en a fait lien avec la diaspora? Qui j'en a fait lien avec Haïtiano-Américain? Mais en passant, pour ça fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on dépolitisation de système noir, j'en a fait la connaissance. Ça me l'a dit par là. Très souvent, je suis en pile ambassadeur, je suis en mission diplomatique, je suis en ou quand nos délégations sénatoriales arrivent dans le pays, et puis l'ambassadeur peut aller chercher les portes. Pour qui ça? Parce que si ma délégation nationale ça, et sénatoriale, ça, il fait partie de l'opposition, et puis il n'a pas avoué une réputation que la travaille contre le gouvernement. On n'a pas fait du job. Mais exactement, il y a monsieur Sardine dit, il y a révoqué vraiment. Oui, mais c'est samedi que voilà que nous venons trivialiser la relation. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord que... Je prends un exemple. En 2013, que on monde sénateur Maurice Jean-Charles vient à Washington, et puis voilà que
pas qu'à commander l'ambassadeur pour aller chercher les portes. Parce que une fois qu'on quitte, on trivialise l'adversaire là, tout le temps, on trivialise tout. Gon forme pour relation en prend, même si c'est l'ennemi, on n'a pas besoin de jubiler s'il y a humilié. Parce que ça veut dire tout quelque part, vous gardez nous tous les mêmes gens. C'est nous qui pensons que c'est plus important que l'autre partenaire. Mais au bout du compte, c'est degré de trivialisation, ça veut dire que le pays n'a pas qu'à forme relation. Nous n'avons pas qu'à payer tête nous le luxe, c'est comme ça qu'on a gardé. En d'autres termes, il y a une nécessité pour que le pays, d'une façon générale, lui dépolitise un petit peu le système diplomatique noir. Oui, comme ambassadeur, son figure politique que mieux. Je défends un petit peu directive président. Mais attends, je vais être là pour avoir une règle là-dedans. Même si on a vu Bossal, encore ma vie dans le jeu de football, dans Bossal là, ou qu'il y a un gros coup de pied. Même pas un couteau souterrain, nous n'avons pas vu le football encore. C'est l'autre bagage qu'on a fait là. Et voilà que la machinerie diplomatique haïtienne devient un petit peu victime de ça. Nous rendons compte combien de diplomates là. Je ne parle pas de gouvernement ça ou bien de gouvernement, je parle de façon historique. Le pays a sacrifié petit là quand même tout. Une fois qu'on a une étiquette ça et après vos collants, probablement, moun sa katoune là, il a rappelé, il fait 3-4 mois sous béton, personne ne va m'occuper là. Alors pour se protéger, le bonhomme, il dit, ah, je vais proposer que je ne connais pas un sénateur qui a fini. Je vais proposer que je ne connais pas un tel qui a fini. Et puis voilà, au détriment de qui? Au détriment du pays. C'est pour ça que je parle que la nécessité pour que la relation ça prend l'autre forme, ni l'enfant, ni la façon de faire là. Sinon, et par contre, si nous pouvons arriver là déjà, quand elle a crasé, nous tous avons campé sous Winna et puis nous avons gommé pour Winna. C'est destruction ça, n'a pas assisté là. Et voilà qu'une relation qui est aussi cruciale pour nous, une relation qui est capitalisée sous lui comme ça, et puis voilà que nous prenons la jouer avec elle. Nous avons fait des petits comiques. Absent de cette réflexion, de cette vision stratégique que le pays vient perdre là-dedans. Là. Et puis tout le monde a plaint que Mme Cheryl Mills vini, l'a fait ingérence. Tout le monde a pour que ça Cheryl Mills a fait définir. Et à l'intérieur de ça, nous avons en pile levier là maintenant. Mais il faut qu'on connaisse pour ça utiliser. C'est-à-dire que si nous sommes cobayes, on prend exemple ça encore. Mais à l'intérieur de ça, c'est-à-dire que soit test ton bagage sous moi, ça veut dire que si je ne veux pas faire, ou pas faire. Mais en même temps, tout le monde a dit bon, ou envie de faire, je vais quitter faire la même. Mais voilà mes conditions. C'est de ça qu'on a parlé, oui. C'est-à-dire pas dit, ah non, bah, les Blancs américains n'ont pas besoin. Nous avons besoin de ressources. C'est-à-dire, peut-être nous avons fait caracol autrement, avec une vision haïtienne d'elle, je dis n'importe quoi. Peut-être que ce n'est pas corridor noir pour nous prendre. Mais réflexion, ça n'est pas supposé être faite aux États-Unis, à Washington. Et puis voilà que acteurs haïtiens, nous étions passifs là-dedans. Et me dit passifs dans le sens large. Nous rappelons que nous avons fait une expérience avec deux anciens présidents. Moi, c'est vice-président Fon Clinton Bush pour Haïti avant de venir ambassadeur. Vous comprenez bien ça, m'a dit. Je suis descendu à droite à gauche avec le président Clinton et le président Bush en Haïti avec un petit argent que le président Obama a incité pour aider Haïti. Pendant tout le temps, comme vice-président Fon, pas une seule fois, l'autorité haïtienne qui jamais demandé ça n'a pas réglé. Comprenez bien ça, me dit, hein? Gon l'argent qu'il a pour le pays. Hein? Voilà que acteur pays, yo, et ça qui est bizarre là-dedans, c'est pour ça que je dis que je parle là avec mon yeux de. Avec vécu maintenant. Première fois que je suis venu avec le président Bush. Il est inquiet, oui, parce qu'il sentit que les Haïtiens pourraient le pressurer. Et puis là, il n'y a pas dit non. C'est juste son visite de courtoisie. Ça me dit là quelque part, paysan. Là, nous ne parlons pas de passivité encore. Leur respecter l'adversaire à trop et pas peur. Vous ne pas à jouer du tout. C'est-à-dire qu'on fait 2 ans, on a financé à droite, on a essayé de financer à gauche, et puis par contre, l'autorité haïtienne qui dit, les amis, soit réglé là. Même lorsque, bon bête propre dans sa vente, et voilà que tout haïtien à l'aise veut dire sa vente à 100 mètres. Et nous ne parlons pas de juste autorité étatique, nous parlons de pays dans sa globalité. C'est-à-dire, je dis à un médecin américain, qui a descendu Jérémy Lacaille, qui prend le soin de santé, il n'y a pas aucune capacité pour vérifier si mon docteur tout bon.
Il suffit qu'elle mette un petit maillot sous les Mission Hope, là elle descend en Haïti, là elle baille piqûre, là elle baille mon coup de bistouri. Attends. Mais pays, hein, oui, je veux dire. C'est une déconstruction. Déconstruction, ça, passivité nous dit que, et nous qui déconstruit le pourquoi. Alors, sur cette base, je dis qu'il y a nécessité pour que pays, hein, il définit notre narrative vis-à-vis des États-Unis. Bon, notre message là pour nous véhiculer. Le pays n'est pas tout simplement un pays de pitié et de charité que tout blanc besoin de faire des bagages caritatifs pour nous. Je dis à moi dit comme ça que l'institution académique qui est invitée à enseigner après ambassadeur, moi souhaite que étudiants ça yo, yo ka vinn chita là en dans l'espace université Kiskeya. Y a apprendre de relations haïtiennes-américaines du point de vue des haïtiens. Mais n'importe qui qui est en première année MIT, Sylvie Knight, il doit faire capacity building pour moi. En d'autres termes, tout le monde sont sauveurs pour nous. Quelque part, Haïti a cette obligation pour que les commencer à forcer le monde à garder nous différemment. C'est dit, m'a dit tout par moment, il faut commencer à apprendre à dire merci, mais non merci. Alors, narratif ça, il vient impératif. Narratif ça, en fait, mais une façon qu'on a fait, Naomi Osaka embrasser nous plus, il y a un bagage qui a fait. C'est-à-dire que l'entrée de l'ambassade, ce n'est pas l'ambassade, un gouvernement l'entrée là-dedans, c'est l'ambassade pays. Parce qu'une fois que l'ipolarisé, il y a pour ça. Et puis voilà que rien n'est pas qu'à faire. Quand il y a un bagage, il dit, bon, là, avec l'idée que, encore, c'est une conversation, je ne vais pas faire un monologue qui est trop long, mais encore, plaidoirie, ça que je fais là, je ne vais pas parler avec le gouvernement. Je ne vais pas parler avec le secteur privé, je ne vais pas parler avec la société civile, je vais parler avec l'ensemble de tous les acteurs. C'est-à-dire que le déclin collectif qu'a fait là, la urgence, la obligation, la nécessité pour nous repenser les relations encore. Parce que en pile, nous supposons qu'à bénéficier de relations, si et seulement si nous mettons en hauteur pour nous mettre là, nous prenons profondeur pour nous prendre avec là. Merci. Merci, ambassadeur Altidan. Et comme ça, habitué, je ne vais pas le reprendre parce qu'il y a assez de monde, il y a trop de monde intelligent dans la salle là et qui voulait poser des questions au lieu que je le reprenne. Mais je dis deux choses. Magique 9, on a plein le bol pour l'émission de demain matin. Et l'autre journaliste qui l'a eu, je vais regarder Dali Valet et l'autre point qui l'a, analyste politique, etc. Donc, mais il y a un aspect qui est extrêmement important pour nous soulever ces questions. De trivialisation de relations. Il y a de cela 2 mois et demi, Dôme Palais sans chapelle sans souci a brûlé. J'ai appelé les gens responsables de l'ISPAN. Et c'est là, au niveau de trivialisation. Nous avons besoin de $5,000 pour nous retirer asbestos, alors amiante en français. Pour nous retirer amiante là parce que c'est un produit cancérigène que lié. Haïti attend l'avis de non-objection de la Banque mondiale pour nous joindre $5,000. Nous carrément pas sérieux. Et je pensais que c'est niveau de trivialisation, ça, aucun ambassadeur a parlé. Je ne vais pas le faire, il y a une synthèse de ça que je dis, je pensais que pas gagné un pile de temps. On a juste passé à question, parce que je pensais qu'il y a un pile de questions, parce qu'il y a un pile de provocation qui fait là, la question de passivité haïtienne. Mais pas oublier, c'est institution politique que nous construisons. Les noms des éléments qui sont dans l'institution politique. En même temps, tout une relation dialectique dans la question. Ils ont favorisé un pile de monde qui a été en train de faire, puis ils ont dans l'institution politique. De telle sorte que les gens qui là, ils n'ont aucun pouvoir dans l'institution politique. Alors, il y a un micro ou bien. Un micro baladeur. Allô? Oui, merci. Et moi, le Paulson Pierre-Philippe, et comme il y a un monde qui a eu une chance de travailler dans la question de relations internationales déjà, et qui a eu même chance d'enseigner ça pendant un certain temps, nous connaissons que relations internationales en général, c'est pas un bagage qui est isolé
dans le cadre global de gouvernance du pays. Il y a une relation internationale, mais il y a un pilote fonction de gouvernance. Tout. Donc, la relation internationale doit faire partie d'une dynamique globale de gouvernance que on l'État capable de tête li, et plus particulièrement un gouvernement capable de tête li. Et là nous considérer Kounia que l'État nous gain en déficience caractérisée dans toute l'autre fonction de gouvernance yo, comment nous capable concevoir que nous capable repenser politique étrangère nous, parce que en général gouvernance globale là ça lié c'est défini plusieurs politiques dont la politique étrangère. Donc les gain déficience dans toute l'autre capacité yon l'État à gouverner, et me préciser le capable yon l'État, mais plus spécifiquement yon gouvernement, comment nous concevoir que nous capables repenser politique étrangère nous, relations internationales nous, avec yon pays, en particulier les États-Unis, pour ne pas le citer, si tous les autres aspects de la gouvernance nous déficience là-dedans, à savoir incapacité nous à bâtir une souveraineté réelle, incapacité nous à établir des politiques publiques qui adaptées à intérêt et besoin pays. Merci. Merci Pierre-Philippe. Donc on prend trois questions et ensuite l'ambassadeur répondra. D'abord, dans féliciter l'Université Kiskeya pour l'organisation de la conférence. Je pense que j'en confiance dans l'intitulé à l'idée nécessaire. Mais profiter de l'occasion pour me féliciter l'ambassadeur Altidor pour la qualité exposée ça, qui remplit l'élément pratique là-dedans. Et moi, tenu d'exposer là, enfin, deux gros problématiques. Première lancée, est-ce que pas un problème d'enseignement des relations internationales en Haïti? Ou font go exposé sous rapport noir avec américain, nous avons droit étant exposé ça à d'autres partenaires bilatéraux en Haïti. Donc on pensait peut-être une réflexion que tu as fait dans ce sens-là. Et à travers exposé là on l'autre conclusion tout me tirer, est-ce que tu pas une problématique de lieu d'élaboration de politique étrangère nous ici. C'est-à-dire qui monde qui gagne mission ça. Décret qui organise le ministère des Affaires étrangères, baïta sa affaires étrangères, entre autres. L'idée des Affaires étrangères gagne pour tâche pour élaborer et appliquer la politique étrangère. Je pense que nous avons discuté sur ça. Donc, pour me dire effectivement, je pense que j'ai expliqué là, il y a un problème de centre d'élaboration. Qui bon bagage sera fait? Et pour me finir, question précise, j'ai une expérience ou ouais, fonctionnement. On peut parler de réussite pendant ces temps là dans l'ambassade là. M'a pas quelques indicateurs où on coup cuisine ou t'institué, nous participer dans coup de cuisine. Bah ça vient vraiment et un bon héritage ou quitté. On a fait de visite yo fait pour toute ambassade de Washington, Haïti dans le temps ambassade d'Haïti à Washington, t'es parmi ambassade qui puis visiter l'Islande longue de activité sous table ou réussi ou réalisé qui fait que l'on a allé m'a regardé sur internet là en pile monde dit finalement yo parlé de succès pour comment dans un boglio ça ou expliquer là comment expliquer ou river tirer épingle du jeu dans mais ou partager expérience ça avec nous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour et félicitations encore. M'a transmettre en question qui était posée sur Facebook, Eric Balthazar. Si nous pas gagnons un agenda national, comment nous ca construire une relation utile avec l'autre pays? Et très bien. Donc, troisième question liée avec première question. Ambassadeur Altidor. Si. Non, ambassadeur Altidor. Ça va? Nous t'entendez? Oui, oui. OK. Au premier point, je dis malheureusement, l'on a regardé le portefeuille de coopération internationale dans le pays. Il vient presque paraître un bagage qui est interne à nous-mêmes en lieu de place que nous avons fait relation avec l'autre monde. Ça me l'a dit par là, je dis, et je me l'ai dit tout à l'heure,
par moment qu'on voit des ministères portefeuille li plus gain activité internationale là-dedans que là. Pour moi, c'est pas une absence nécessairement d'incapacité, c'est-à-dire que oui, déficience que pays a vivre à l'interne, li manifeste sur scène internationale là. C'est pour ça que t'as parlé acteurs politiques yo utiliser espace international là puis yo fait ti jouette politique interne avec. Mais quelque part point de départ là me dit comme ça que du fait que international a pesé aussi lourd là-dedans autant que le vin problème là mais il vient faire partie de solution aussi. C'est pour ça qu'on a parlé seconde définition de politique publique qui vient. Bon, pour exemple simple. Et me t'a dit frigeant ça tout à l'heure. Pendant t'a parlé de problème et médecin. Moi contre un jeune médecin haïtien qui saute la caméra Jérémy. Nous sommes probablement la mi-temps année 2000. Yo. Monsieur saute Cuba, l'IPACA intégré système de santé haïtien. Rappelons que pays ont une obligation pour que les créer une infrastructure pour accueillir tout le monde sur Cuba pour venir ici. Voilà que pays n'a pas fait avec efficacité pour le faire là. Pour qui ça n'a pas fait avec efficacité, hein? Absence d'une politique publique qui est clairement définie. N'a pas tâtonné. Encore politique publique là, ce n'est pas la vision, mais c'est la vision, la stratégie, leadership là, plus les moyens. Et puis même si on a mis ça, li pa ka joine, li frustré, c'est qu'on a le devine côté. Paul m'a pas ici encore, le docteur m'a pas travaillé dans le pays. Jérémy, oui, pendant ce temps, il y a un bon 30 médecins dans la ville là, non? Et voilà, la cherche un prêt bancaire pour le faire en sorte de bagaille communautaire, l'établissement clinique mobile. Li pa ka joine prêt bancaire, li pa ka joine prêt. Il a cherché 50 000 dollars, li même avec deux tis amis qui sont de Cuba. Ou quand j'aimerais rencontrer tis amis encore, pendant que je suis à Washington, il était besoin d'aide de non-objection pour le faire pour faire ses médecines aux États-Unis. Mais c'est une absurde logique, moi. Là, allez. Bon, empirer l'histoire pour vous. Ce même jeune homme, là, travaille qu'on y a au centre hospitalier au Texas. Qui est-ce, l'irait le pour le saluer, pour le remercier pour faire l'aide de non-objection? Il a été promu comme chef de service dans la section que lié. Qui est-ce qui vient prendre soin de santé l'an même? L'abdim, président George Bush. Et voilà, Jérémy Jodia. Maman qui chita Jérémy Jodia probablement li pral mise son missionnaire sur Texas qui pouvait une balle de santé en Haïti. Qui n'a pas même médecin. Là, qu'on a dit comme ça que non, deux bagages ça yo lié à la vérité, payant qu'à résoudre li. C'est recul là pour nous faire. Et puis voilà que, en passant, ou quand même besoin de missionnaire sur Texas, oui, en attendant encore, en dans politique publique, ou t'en a dit pendant les 10 prochaines années, nous besoin de bon monde qui a entré là, en attendant que. Tout l'autre monde au Cuba nous fait yo en pile dans monsieur dame Cuba yo ou va venir aux États-Unis ou va venir en Espagne jodi en grande partie si aller en Espagne les ça tout reconnaître diplôme yo même besoin passer examen encore on me dit aux États-Unis bon respect pour lui et voilà que juste passer examen de qui construction a parlé là jodi c'est à dire que quelque part moi dit comme ça que bouillon ça nous obliger rebrasser mais international là oui gon rôle li ka jouer là-dedans pour nous assurer nous arriver côté de rivière. Au point de monsieur monsieur Gaspard. Oui, qu'on nécessité pour que de manière encore c'est ça me t'a dit là, les États-Unis, la République dominicaine. Nous quasi tout international là mais on prend deux pays ça yo. Vu proximité nous avec yo. Li pas logique non que pas gain réflexion qu'a fait l'ensemble de formation nous yo autour de ça. Mais en même temps tout bon prendre l'ensemble qui plus simple encore. Ce n'est pas logique non plus que l'engrengolade institutionnel ça yo nous dit comme ça que on moun yo mette président on moun yo mette premier ministre on moun qui vient bon en fait on président qui élu on moun qui premier ministre on moun qui ministre on ambassadeur américain l'a quitté Haïti il prend l'autre poste l'oblige passer Washington l'a fait 6 mois pour le faire formation avant que voie l'autre côté le praler m'a parle au diplomate de carrière oui c'est-à-dire là Ken Merton qui était ici Haïti, il tourne Washington avant qu'elle ait la Croatie. Il fait 6 mois pour apprendre la Croatie, l'homme dit pour apprendre la Croatie par langue, non, pour apprendre un petit peu l'environnement qu'elle prend là-dedans, jusqu'à ce qu'elle aille.
ça m'a dit là encore, on est en famille, ni mon cap garde sur Facebook yo, mais encore c'est ça et la mienne pays en faut débattre problème ni yo. J'ai été désigné comme ambassadeur mal Washington, pas jamais gros monde qui dit mon bout de papier mais qui vient pour me faire job là. C'est-à-dire que ah mon cher Paul Alti dans les amis blancs, peut-être il a marché pour nous. OK, peut-être mon gars amis blancs, mais ça ne veut rien dire, c'est que pas un cadre qui définit. Même si tu fais quand tu es en diplomatie, qui est-ce qui dit que tu connais qu'on note diplomatique? C'est-à-dire que gon phase de formation soit faire référence à lui maintenant que gon nécessité jodia en 2020, il n'est pas logique que un monde qui sénateur de la République qui député mais les béaba de soupral avec négocier avec l'international là mais qui j'en fait. Alors pour répondre à la question directement concernant qui ça m'était fait moi-même. À titre personnel, bon utilisons anecdote. On l'a vienne faire activité, il me vienne rencontrer avec le président de la République, mon co ambassadeur. À l'époque de la Banque mondiale, moi demandé président d'alors là. Président, ça me vienne faire là, on pas besoin venir à Haïti non pour me te faire. Je suis capable de l'ambassadeur à me mettre dossier ça à l'ambassadeur, là, il a fait suivi avec vous. Mais pour le président, te rappeler que, mon cher, l'ambassadeur a parlé maintenant, ça n'a pas intéressé, l'ambassadeur a parlé maintenant. Vin côté Mpito, c'est dit le conseiller. Intel, qui est l'ambassadeur Washington? Hein? Qui ça me dit par là? Moi-même, comme acteur international, je me rends compte que, bon président qui voit l'ambassadeur d'un côté, et puis c'est lui-même qui minimise encore. C'est-à-dire que je n'ai pas aucun intérêt pour jamais passer l'ambassade d'Haïti Washington, à moins que je n'ai besoin de passeport mal fait. Au vu de ça, l'homme désigné comme ambassadeur, me dit, oh, c'est comme ça fait. OK, bon, comment se font ensemble de bagailles? Je suis conditionné, par exemple, à l'acceptation du job-là ensemble de bagailles. Ou demander à cuit manger à qui t'aime choisir les ingrédients. Pas retirer mon Jean-Pito, pas mettre mon Jean-Pito. C'est-à-dire que quand pile bagaille dans la diplomatie qu'on a critiqué, heureusement, dans mon cas particulier, je n'ai pas souffri de ça. Même tu négocié. En d'autres termes, tu dis non, le jour où on monde là, on pas comme ça le vienne faire, c'est d'une place moi pas là. En même temps tout le jour et si même pas faire job, mais retirer. Alors qu'on y a à partir de soit après les succès yo, mais les simple, c'est ça m'a dit. L'on haïtien sorti, je dis n'importe quoi et ça t'est qu'on arrivé. On connait haïtien qu'on dit 26 heures de temps, vienne faire passeport. Et voilà que le rivé Washington à l'image du pays, comme ce n'est pas un état de service encore. Et puis, ah, on tourne vite prendre. Mais attends, le bonhomme, il prend 26 heures de route, long bus, pour venir faire un passeport, et pour dire qu'on s'est tourné, et voilà qu'on a imprimé passeport pour lui. Ça me dit pas là, on devine commencer à regarder comment mettre mon en confiance. Qui s'écrivait là, dans des gringolats? C'est parce que, haïtien, à cause de tout problème institutionnel à parler là, mon perd du confiance que l'État a marché vraiment. Mais à la vérité, mon pas prendre un pile, non? Ça dit en pile, ah, ambassadeur, c'est plus grand ambassadeur. Mais pour qui ça? C'est parce que le vin d'ambassade là, il veut un passeport, que le met en tête pas, il pense qu'il va pas joindre. Et puis, quand on a parlé de cuisine, on a parlé de toute activité culturelle. Yo. Mais c'était une stratégie de ma part. Si chaque l'homme vient d'ambassade d'Haïti, Washington, par exemple, l'écran télévision ambassade là, il y a deux bagages qui ne peuvent jamais passer. Je vais quitter l'employé au passé Brésil-Argentine, match football là-dedans, parce que depuis Haïtien, je regarde le football, émotion prend, zimpété, right? Depuis Haïtien, une nouvelle politique en Haïti, zimpété. Alors, les gens qui conduisent 26 heures de temps, viennent chercher un passeport, ils sont tout fatigués, et puis ils font brigandage là-dedans. Et puis, quelque part, je me dis comme ça que, stratégiquement, on commence à faire l'autre bagaille qui a attiré les gens. Les gens viennent avec un petit café captain, un petit royal captain, un petit maïs captain. Mais ce n'est pas manger qui intéresse, non. C'est une façon pour dire aux gens que, attends, je me sens tout là, je me sens tout son monde dans les yeux. Et puis, bien entendu, il vient prendre forme. Ni. Les acteurs américains, est-ce que c'est chaque jour comme ambassadeur pour m'appeler, m'apprendre un rendez-vous, pour m'appeler des brigandages politiques qui ont fait en Haïti? Les gens sont fatigués avec elle. Chaque jour, ces problèmes ne sont pas à dire. Mais l'important aussi que, bon, il faut découvrir l'autre bagage qu'on ne peut pas connaître de pays. Hein. Bon, il faut une anecdote avant l'en point ça. Haïti, chaque année, toute ambassade, on a parlé d'environ 200 missions diplomatiques à Washington, ils ont fait qu'on coup manger. Et puis, deux années consécutives, nous sommes nous champions. Pendant ce temps, même dire à ce point, nous pouvons monter tabac avec là. C'est-à-dire, nous disons pas dans la société, à l'autre monde, goûter, ils ont remis. Un jeune chef haïtien qui te font soupe, jomou, et puis le sorti premier. Vous connaissez qu'on a lancé compagnie sous base soupe ça? Parce que tellement il y a des gens qui achètent, tellement il y a des gens qui remènent. Mais pour me faire cette image, je dis comme ça que, en matière de diplomatie publique,
l'on prend levier et pour exploiter soit gain l'amont comme actif gain trop bagaille ou ka faire et qui est-ce qui te on pas compte payer 1 centime non pour promotion ambassade là parce que gain tout ces haïtiens non américains ça qui l'en réseau yo qui ouais qui apprécier y a cherche un bagaille pour embrasser ça dit jodi à la si chaque le Naomi yo ça ka vini son 50 goudon magistrat mandé pour l'acheter ton petit camion gon l'en pas vini encore c'est la 100 ballon bagaille pour le kembe qui pour le positif pour ça mener l'autre petit monde qui peut tennis avec là éventuellement vienne faire tournoi d'exhibition ici. C'est dit m'a dit que gon l'autre façon de voir la relation. C'est défi ça que pays en gain devant là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas moyen pas nécessairement dit l'argent. M'pas de compte payer, m'pas de gain l'argent pour me payer talent yo. Jeune haïtien noir américain qui te connent vienne travailler avec yo. Yo te connent trop en vie fell. Des petits monde qui te connent vienne travailler à Washington. Yo paye hôtel yo. Puis yo ça vienne travailler volontairement à l'ambassade là. Oui. Je parle de gens qui ont maîtrise, qui ont doctorat en main. Ils ont juste à essayer de rembrasser les fêtes du 12 janvier en passant. Mais on bagaille nous rate. Et puis voilà que le pays n'a pas de contingent pour capitaliser sur lui. À distance à Washington, on devine rendre compte que non, il y a une autre façon de nous faire. Mais qui ça fait? Là, on me dit que j'ai réussi. Mais le pays n'a pas réussi. C'est-à-dire que l'ambassade fait partie de, ça a fait référence à lui maintenant, nous fait partie de on ensemble. C'est pour ça que la politique publique là, est important. C'est-à-dire que l'action PAMNA est liée avec l'ensemble de l'autre action. C'est-à-dire que si vous isolez, vous avez dans le développement, vous avez les salades. Vous faites une belle bagaille, les tuyaux bien frais sous table. Après deux jours, vous faites. C'est pour ça que plat, vous voulez suivre certain que ça n'a pas mangé ensemble, payant de façon collective. C'est pour ça que je parle de stratégie, c'est pour ça que je parle de politique publique. Dans pile monde dans l'État qui a une belle idée, dans pile monde dans l'État qui a fait des bagailles, pas yo. Qui réussit. Mais la somme de ces réussites, il n'y a pas dit rien dans la mesure où c'est bon bagage, c'est bon une action concertée qui est. Voilà les défis de l'heure. Très bien. Merci, ambassadeur. Avant de passer à toi l'autre question, alors comme mes éléments, ça, il traverse deux premières questions, yo, c'est est-ce que nous avons parlé d'un positionnement par rapport à relation avec l'autre pays sans pas gagner une stratégie, sans pas gagner une politique publique qui est clairement définie sous question de croissance et développement d'un pays? Parce que ces deux éléments, ça va traverser ces questions. Et par contre, si vous voulez ajouter un dernier point sur ça, parce que... Bon, oui, encore, absence de politique publique en d'un pays, hein, je ne voulais pas parler de ça, je me fais lien. Gon euphorie, je dis hein, que président Biden, patati patata, du côté haïtien. On va savoir ce que Biden va le faire. Même au niveau de la diaspora haïtienne, je fais conversation ça, je dis. Hein. Si je dis à président Biden relé n'importe mon en Haïti, ou pensez gon monde qui gonti document réel réfléchi qui dit comme ça que mon cher, gen longtemps a faire relation ça avec nous, mais toute déficience gen là-dedans. M'pa dou mais qui j'en pou faire politique étrangère non, mais qui j'en peut-être nous ta ka mettre à profit relation entre deux pays ça yo. Au moins pour ba yo à réfléchir. C'est-à-dire que stratégiquement, si ta vle faire ça, c'est qu'on y a pour pays bon fait depuis avant il y a pour pays à ta fèl ou bien même mon en diaspora. C'est-à-dire que jodi a et 20 janvier, si c'est officiel, Biden devient président. C'est-à-dire que y a une bonne réflexion qui a fait là autour de quelle va être leur politique étrangère. Il a réfléchi sur deux trois pays. C'est-à-dire que stratégiquement, mais côté pour Haïti, tu as commencé à positionner avec influence, li, avec accès. Li. Et voilà que, en dans ça, qu'on a c'est là, on a parlé de politique publique. Une fois qu'on fait, qui j'en que l'action américaine, il parle complémenter ça n'a pas fait souterrain. En lieu place que son substitution que le tournait. Très bien. Autre question, monsieur Sora. Bonjour et je remercie l'ambassadeur pour Altidor pour l'intervention. Merci au recteur Jacques Lubin pour l'initiative. Là. Moi, je suis René Junior Joseph, MC étudiant Kiskeya, ancien juridique. Alors, ambassadeur, dans l'intervention là, et vous mettez un peu l'accent sur l'aspect factuel. Donc, des réalités qui gagnent en dans diplomatie haïtienne. En dans relation et haïtiano-américaine en particulier. Alors, sauf que je n'ai pas remarqué où vous mettez l'accent sur l'aspect historique là, et anthropo-sociologique. Là. En ce sens que, depuis pratiquement 1915, gagne en redéfinition qui fait du rapport Haïti avec les États-Unis d'Amérique. Et à partir de 1915, pour aller gagner redéfinition, ça après le fait, surtout
par rapport à support que Américains ont pral porter par pour oligarque qui dans pays. Et très souvent qui sont ça fait gagnent oligarque qui supportait des candidats que ce soit à la présidence, au Sénat ou à la députation, yo vinn élu et puis yo même nan position ça, yo vinn gagnent redevance envers oligarque ça yo et en particulier en pile moun qui nan diplomatie a yo nommé nan cooptation avec moun sa yo qui était financé par oligarque yo et par tout par a yo même tout par ça yo voulait faire. Maintenant est-ce qu'on pensez ambassadeur que jodi a nous ka repenser relation haïtiano-américaine yo si nous pas redéfini nan politique intérieur paysan rapport oligarque yo gagnent avec élu yo avec autorité étatique yo. Deuxième aspect question maintenant, est-ce que nous capable de repenser relation haïtiano-américaine yo si nous pas redéfini l'homme haïtien dans perception que li gagnent du blanc par rapport à Jean ça li te vinn redéfini depuis année 1915. Merci. Très bien. Deuxième question ici. Non. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre invitation. Mon nom est Denis Roumestan, je suis canadien et avocat et en même temps le nouveau directeur scientifique de la chaire de gouvernance de l'AFPEC. Alors ma question est dirigée au conférencier que je félicite pour son intervention. Vous avez parlé de l'avenir et du présent en ce qui concerne Haïti et ma question concerne un peu le futur et les États-Unis. Il y a fort à parier que les démocrates vont accéder à la Maison-Blanche maintenant. Alors, est-ce que vous pensez que ça risque de changer quelque chose dans les relations entre Haïti et les USA du côté américain ? Merci. Merci. Dali Vallée. Merci. Moi, c'est Dali Vallée. Nous autant des interventions zambi, hein? En fait, zambi, parce que c'est des paysans, moi, dès que Jérémy, pareil, moi, nous toujours parlons de politique, nous, ensemble, international, bon, surtout, relation Haïti avec États-Unis. Et, c'est pas plus son question, son raisonnement, en fonction de l'expérience moi à Washington, parce que je fais un paquet de temps à Washington, tout, et puis l'expérience moi sur le terrain en Haïti, que ce soit comme journaliste, que ce soit comme monde qui était occupé fonction en politique. Et il y a un plus gros problème pays d'Haïti, c'est que nous n'avons pas le leadership haïtien qu'il faut à la hauteur du défi. Sérieuse, c'est mon yo par la hauteur de problème yo. M'son j'ai un film yon Haïtien Varé Nouvelle, c'est Raoul Peck. Et c'est ce film sur Lumumba. Gon séquence l'un film nan pendant que M. CIA yo, M. Belge, yo a pissé déstabiliser le gouvernement Patrice Lumumba. Et puis, monsieur, il y a un avion, il y a aller à Katanga, qui a fait sécession par rapport à RSPI. Et puis, l'avion pour une panne, il est tombé sur un gros désert, nous connaissons, Congo, sur un gros continent, même si c'est son pays. Et puis, président dit comme ça, Patrice Lumumba, premier ministre, président dit Patrice, nous devons accepter cette réalité de. La sécession, cette demande de sécession du Katanga. Ce pays est trop grand pour nous, Patrice. Patrice Lumumba comme homme d'État, les marchés, l'état des pays, et puis caméra balayée, des bonnes vues, en vue panoramique de l'espace-là. Et puis Patrice dit, Monsieur le Président, le pays n'est pas trop grand pour nous. C'est nous qui devons nous élever à la grandeur du pays. Et voici le problème haïtien aujourd'hui.
Et je ne pense pas vraiment que ça soit un problème de politique étrangère d'Haïti par rapport aux États-Unis. C'est ce que disait tout à l'heure l'autre ami. C'est plutôt Haïti n'a pas de politique pour Haïti. Avant de dire que on va, avec qui document, nous pourrons parler de Haïti avec Américains ou bien de États-Unis avec Haïtiens, c'est d'abord avec quel document, quel repère les Haïtiens vont parler d'Haïti avec les Haïtiens. Et nous savons tous que ce soit d'un point de vue théorique, d'un point de vue pratique, la politique étrangère, c'est quelque part l'expression de ce qui se fait, des grandes politiques qui sont définies à l'intérieur. S'il n'y a pas de politique intérieure, il ne saurait y avoir de politique étrangère. Donc l'urgence aujourd'hui n'est pas tant de définir une politique étrangère. Bon, de manière tactique, on peut toujours le faire, juste pour liquider les affaires courantes. Mais d'un point de vue stratégique, il nous faut d'abord un grand projet national qui prévoit une politique étrangère. Et politique étrangère, ça l'a décliné en fonction de priorités Haïti par rapport aux États-Unis, par rapport à la République dominicaine et par rapport à reste pays dans le monde. Dernier petit point d'ordre factuel, dans la même lignée de ton intervention, cher ami. C'est vrai que Haïtiens sont complexés. Moi-même, qu'on honte le map tendé Haïtien ici qui a parlé de États-Unis. Ou l'on réunion avec un Haïtien, que ce soit secteur civil, que ce soit secteur politique, premier commentaire que le fait, oh, il dit quête, ça a blanc pensé. Sérieux? Et moi-même, j'ai fait mon apprentissage un peu gêné avec des hommes haïtiens, avec cette mentalité des mouns qui pensaient pour nous, des mouns qui pensaient à gouverner nous-mêmes avec une mentalité pareille. Mais je peux te dire aussi, historiquement, les États-Unis n'ont jamais eu la partie facile en Haïti, que ce soit avec Duvalier. Ça n'a jamais été facile pour les Américains, avec Duvalier. Même si Duvalier composait avec lui, c'est normal. Jamais facile. D'ailleurs, il a même expulsé un ambassadeur américain en Haïti. Ça n'a jamais été facile pour les Américains avec Aristide. Ça n'a jamais été facile pour les Américains avec René Préval. Ça n'a pas été aussi facile, comme on pourrait le dire, avec même M. Martelly. Un pile baga, M. Jovenel a fait la journée aujourd'hui. L'idée voulait faire avec Martelly. Martelly, pas bien voulu. C'est ce que ce soit par rapport à Venezuela. Donc, c'est pour dire que c'est des relations un peu compliquées. Et qu'aujourd'hui, le défi d'abord, c'est que les Haïtiens doivent s'élever à la hauteur des défis haïtiens. Et ces défis haïtiens, c'est à l'intérieur d'eux-mêmes que politique étrangère là va le sortir. Merci un peu. Très bien, merci. Et comme ce sont des commentaires, on a une dernière question pour fermer. Non, pas monsieur Fred Lizer. Je connais un adage qui dit qu'il finance commande. Nous-mêmes en Haïti, nous ne pas produire rien, nous ne gagnons pas l'argent. Chaque fois que nous avons besoin de budget, compte, nous demandons blanc qui ça la poutre pour nous. Dans le canevas qui nomme ambassadeur, il dit depuis en 2011, ça a été écrit. Et ceci, il prend nous comme cobaye. C'est pas moi qui dis, c'est Yogdil. C'est Yogdil. Mais si son canevas, son plan, il a exécuté, je pense que l'idée arrêté, l'idée faite, il a agi à l'idée fixe. Quel que soit l'interlocuteur que nous mettons en face, je ne sais pas quoi elle a changé. Coulier, ambassadeur Altidor qui a une expérience, est-ce que ou pas ta supposé l'ouvrir les yeux autorité politique nous yo ici pour ta dire mais qui chemin yo ta supposé prendre pour mener pays à bon port? Merci. Très bien, merci ambassadeur Altidor. Peut-être pas me répondre dernier point ça et rapidement et peut-être l'ensemble de réponses moi pour englober tout point ça yo. Mais qui ça me tape défini là? C'est dit, m'a dit que à l'interne, pays a un sérieux problème qui fait que il pas qu'à discuter avec l'extérieur. Il sous-entendu, j'espère. En d'autres termes, moi t'ai un rôle d'ambassadeur,
C'est sous base ça, rappelons que l'introduction, je me dis que c'est 7 années passées à Washington, c'est temps fait avec, ainsi de suite. C'est-à-dire que les sous-entendus, en politique étrangère d'Haïti, qui n'est pas politisée, je me dis que la transposition qui fait de petits bagages locaux vers sur la scène internationale, mais qui sa politique étrangère ça tapillé, il tape en fonction de on vu d'ensemble de pays hein, que haïtien yo entend yo souli. Ça me dit pas là, si m'a parlé de politique étrangère d'Haïti en termes d'éducation, c'est pas au monde là parler national qui a écrit quelque part, c'est de concert avec la communauté des universités qui fait que qui dit comme ça que mais ça nous autres haïtiens nous penser qui important, c'est même un budget entre guillemets, li bay en ligne que pays en société en ouais qui côté nous parler. Alors sur cette base, si jamais tu es un petit peu créé cacophonie là-dedans, moins sous-entendre que ou pas qu'à faire un lien avec voisinage là, c'est que à l'intérieur la famille pas entendu sur ça. Mais c'est clair sur ça. En dedans qu'on y a même principe ça. Pour répondre à Fred Lisère, mais attends, n'a parlé d'un dégringolade institutionnelle qui datait de longtemps. Pour qui ça m'a parlé de dégringolade institutionnelle, m'a lié à un gouvernement. C'est parce que, je dis, hein, oui, effectivement, c'est le premier tournée, moi, en Haïti depuis l'ambassadeur. C'est-à-dire que le lendemain de mon départ de Washington, il y a un MIT qui dit qu'il y a un ancien étudiant qui était à Washington, qui tape fond bagaille, mais c'est important pour l'école nous hein, que nous utiliser. C'est moi qui mettais dans ces termes. Li bon pour Ohio, li bon pour institution. Yo. C'est-à-dire que yo kon ki jan pou yo capitaliser sous actif, sous ancien étudiant. Yo. En partie, voilà ma présence à MIT. C'est-à-dire que yo besoin apprendre de expérience moyen, mais quelque part, li aide yo tout en termes de idée. Yo. C'est-à-dire que l'on ti moun vin l'école MIT, oh, en passant, ouais, sou vin l'école ici, là, mais sou ka devenu. Là, me dit comme ça que la partie haïtienne, même tu as parlé de formation tout à l'heure, moi, je suis victime de ça, comme ambassadeur. Parce que je n'ai pas de compte système, je n'ai là-dedans, c'est moi qui n'ai pas appris ni pour comme. Est-ce que tel bagage fait tel genre dans l'État? Est-ce que tel bagage fait tel genre? Mais oui, mais c'est pour ça que je parlé de dépolitisation système non. Même tu as 3 comptes en venir là, et ouais, comme fait Washington, pour succession, je pas faire. Même pas besoin de parler de succession non. Je suis supposé que je suis ministre des Affaires étrangères, plus ou moins, je dit, écoute, voilà mon expérience d'ambassadeur. Ou quand j'ai plus d'expertise si passé, mais voilà mon vécu. Mais de façon systématique, architecture pays, je dis, il n'est pas campé comme ça et depuis belle lurette. C'est pour ça qu'on a parlé de déconstruction. Ça. Nous avons trop actifs là maintenant que nous avons gaspillé. Il y a un ancien ambassadeur là, il y a un ancien monde parlement là, idem. Donc, l'ensemble me dit comme ça que non, ce n'est pas, c'est pas hein, cette définition de politique diplomatique n'a pas parlé là, il est sous-entendu que un exercice qu'a fait à l'interne. Entre les différents acteurs. C'est pour ça que je vous dis, on m'a parlé de relations haïtiennes-américaines, au-delà même de en question de documents de politique étrangère de yon gouvernement. Et dit, m'a dit comme ça que l'en menu pour soi-disant débat national, conférence nationale, patati patata, quelque part, ça t'a supposé un sujet qui j'en ouvre tête nous vis-à-vis de l'extérieur. En fonction de cette grande vision, qui s'en a mis en place, qui réflexion qu'a fait, qui j'en pour matérialiser. Et en ce qui a trait au point historique, l'homme t'a énuméré au départ, mais nécessité pour qui ça, diaspora, raison financière, ainsi de suite, nous avons fait allusion tout petit à, par exemple, intervention étrangère américaine. Moi-même encore, m'a situé longtemps, mais du même coup, oui, il est sous-entendu, mais tout ça, c'est bagarre à l'interne que vous avez. Qui est-ce que nous d'abord, et puis qui j'en ouais tête nous vis-à-vis de l'autre monde. Mais elle définit tête quelque part. C'est-à-dire que bon travail de maison, c'est pour ça que je dis, hein, dans toute intervention, je n'ai pas remarqué pas parler de Américains en dedans bagarre là. C'est-à-dire que la stratégie américaine, la vision américaine pour Haïti, pour moi, ils sont notre bas de page dans la conversation qu'on a fait là. C'est-à-dire toute plaidoirie m'a fait là, c'est de dire qu'on nécessité, l'entendre faire comme ambassadeur, que paysan pour penser relation ça autrement, mais pour penser autrement. Si nous ne mettons pas politique là-dedans, si nous ne mettons pas tout ce qui est terre à terre, pays à faire là-dedans, ça va de soi que l'englober un ensemble de secteurs dans la société, que nous entendons même à chaque suivant, même si nous avons des accords idéologiques ou bien des accords sur la vision des choses. Est-ce que l'élection de Biden. Et c'était. Yeah. Oh, concernant la politique
américaine vis-à-vis, est-ce que vous avez qu'à changer ici? Moi, parti de l'hypothèse que l'a changé, que le pape changé, ce n'est pas important pour nous autres haïtiens en attendant. Parce que moi, je dis que américain a toujours une position vis-à-vis d'Haïti. Mais ma fond remarque, la politique étrangère américaine vis-à-vis d'Haïti, pendant la transition de président et Obama à président Trump, sous garder dans les faits, il n'a pas changé. Ça me dit que, encore c'est pour ça que tu as parlé de stratégie, son bagage qui prend temps pour articuler, son bagage qui prend temps pour implémenter, pas de grand, pas de monde de différence. C'est-à-dire que rhétorique, président Trump t'a parlé, hein, dans les faits, il peut articuler en ce sens. C'est-à-dire, en pile fois, on a dit, ah, c'est président Trump qui est président, c'est là-bas. Je vais me faire yo. Nous dit, nous quel. Qui dit, nous dit ça. C'est-à-dire que qui ça a changé la politique là? Entre le président Trump t'es là et le président Obama t'es là, excusez-moi, dans un exercice à caractère académique là, je ne le vois pas. C'est-à-dire que ça, ambassade américaine t'a fait, ça, USAID t'a implémenté, le président Trump monté, il n'y a pas juste arrêté, portefeuille USAID par jambe campé. En d'autres termes, c'est dit, il y a une continuité institutionnelle. Là, qu'on y a, est-ce que cette nouvelle équipe, l'an 4 ans, l'an le pral reformuler, et probablement si président Trump est réélu, ou t'as parlé l'autre politique, je ne sais pas. Mais pour le moment, il n'y a pas de changer vraiment. Merci. Merci, ambassadeur. Donc, on prend les trois dernières questions. Malheureusement, nous ne pouvons pas arrêter à tout jamais. C'est Leslie Voltaire qui commence. Et ensuite. Désolé. Je suis Joseph Yevgeny, étudiant en relations internationales à l'Université Kiskeya. Et ma première question serait. Comment nous avons changé l'image haïtienne à recevoir de médias haïtiens et des États-Unis. Par exemple, dans une série de réclames, on toujours après, par exemple, du riz américain, c'est le plus bon. Manger américain, c'est le plus bon. Et ça vient de faire une façon, comme on dirait ça, qui vient dégrader. Et la question haïtienne dans la société haïtienne même, pas des haïtiens. Ça, c'est un. Et bon, l'autre question que je vais poser, tout par rapport avec la question de la dette et des pays du sous-développement et la question de plan, et plan d'ajustement structurel, comment Haïti pourra le faire et imposer une politique étrangère par rapport à, aux États-Unis et par rapport avec et n'importe qui pays, pendant que nous connaissons. Et comme je dis ça, maîtrise FMI gagne et non, sous question ça par rapport avec politique nous, par rapport avec économie nous et par rapport et puis des autres sociales yo causé. Merci beaucoup. Merci Voltaire. Monsieur Sauval, c'est Leslie. Bon. Nous saluons tous les participants. Moi, c'est Junior Chirette et je me sens que le appui. Moi, j'ai un peu l'approche qui fait, il y a un peu qui attire l'attention, nous avons parlé des politiques publiques au niveau diplomatique avec Pagien pour en Haïti. Moi, je voulais faire l'approche pour un comme ça. Je dis à si nous avons parlé des faiblesses qui gagnent dans la diplomatie, la relation nous avec l'autre pays. Et quand tu regardes ici, comme on te dit dans l'intervention là, au niveau interne, je dis à une société qui n'a pas fait promotion pour l'institution. Ils n'ont pas fait promotion pour l'institution. Et c'est l'institution qui prend le bail sur ce dio. Par exemple, une institution qui concerne d'abord, qui prend le pouvoir, et qui prend le bail une politique publique qui est capable de permettre que nous mieux représenter, nous mieux dialoguer avec au niveau diplomatique, c'est politique. Nous avons une société qui n'a pas de promotion qu'a fait pour les structures politiques, les partis politiques. Comment pour organiser yo, comment pour plus pour entrer là-dedans, pour la démocratie faire dedans. Il y a plus de promotion qu'a fait pour surtout un individu. Écoute, comme on arrive à la fin,
il faut vraiment que... Oui, mais on a conclu, on a conclu. Moi, je pense que faut prendre la question à la base. Je dis, il faut que nous avons une société, spécialement les médias, qui ont un gros rôle à jouer dans le travail ça, pour nous rendre la diplomatie. Pour orienter le débat. Par exemple, il y a des leaders médias vendent. Mounia Von là, c'est au Calbor, au président de mai, au Cal sénateur et sénateur, député, président. Junior, et l'autre Mounia, je pense qu'on a terminé là. Non, non. C'est eux qui peuvent contribuer pour le bord, ce organe là. Si nous ne travaillons pas sur eux, bon, garantie, c'est la vie, merci à toi. Merci. Bien. Merci. Merci, Voltaire. Merci, Leslie Voltaire. Félicité. Panélistes qui se prennent c'est des amis. Une question qui parle du futur. Si on a parlé du futur, vous pensez que diaspora, effectivement, est important, mais il n'est pas assez important s'il n'y a pas mettre un ou deux mounes dans le Congrès américain. Et c'est là que décision yo comment c'est fait pour qu'a fait pression qu'on voulait mais sous pas gain mon nous en dans congrès nous gain mon dans congrès et font ta goumé tout pour que la caucus là plus associé avec Haïti pendant que yo la Black Lives Matter là et nous gain argument pour entrer dans ça. Deuxième ça que m'a dit pour le futur. Je regarde le site web Joe Biden. Il y a 5 priorités. Priorité qui intéresse mieux, on a dit qui intéresse le pays, c'est Green Deal, là, New Green Deal, là, que nous n'avons pas qu'à rater rendez-vous ça. Nous rater rendez-vous industriel, là, nous rater rendez-vous informatique, là, nous n'avons pas qu'à rater rendez-vous énergétique qui apparaît là. Pour jouer nos gens, pour entrer dans le Green Deal là, peut-être à travers Black Caucus, peut-être à travers les diaspora organisées. Donc, c'est deux priorités ça. Priorité et racisme systémique qui fait non seulement aux États-Unis, mais pas aux États-Unis, plus Green Deal. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Sauval, non. Monsieur Sauval, il faut respecter les institutions. Ambassadeur, une simple question que je vais me poser. Qui joue nous à réconcilier l'intérêt de l'État haïtien avec l'intérêt de l'État profond? Avec l'intérêt de l'État profond. Ok, très bien, merci. Bon, bonsoir tout le monde, Almirac Saint-Fort. Bon, en tout cas, compliment et ambassadeur, moi, bah, en consultation gratis, chéri, pour le pays, et puis pour tout le secteur, nous remercions. Mon cher, moi-même, je suis vous, John Bagala, qui, comme si, qui, je suis venu à Washington, nous n'avons pas rien du tout. Mon paquet de bagages aujourd'hui, félicitez-vous. Moi, je remarque que le plus gros problème, il y a un problème majeur, qui est un problème de transmission. Par exemple, vous avez un recteur là, pour ancien gouverneur, l'index a regardé, pour ne pas quitter grand-chose en termes de concret. Excusez-moi, est-ce que vous-même, parce que vous n'avez pas de bonnes bagages, vous faites, vous avez une meilleure bagage qui a gagné, vous n'avez pas de bonnes bagages là, c'est à long terme, pour moi, mieux. Vous avez une bagage qui a à court moyen terme pour quitter une transmission à l'intérieur de mon bagage, support du coup, on livre ça. Parce que tout, on va parler de parler ministre des Affaires étrangères. Très bien. Mais il y a un bagage qui est effectif pour génération future postérité. Je pense, après moi-même, il y a une transmission à l'intérieur de ce produit qui est en ligne. Qui sont pensés de ça? Parce que demain matin, quand j'ai un ancien ambassadeur, là, il est arrivé à Washington, de Babjonaïen. Après, je me dis que c'est un tout ça, c'est pour être un bien ancien gouverneur. Donc, il y a un problème de transmission. Donc, qui sont pensés? Très bien, merci. Ambassadeur? Je vais répondre ça rapidement. Pas un problème de transmission, non? Un problème vraiment institutionnel, même à titre individuel, le pays a un problème d'écriture.
C'est-à-dire que je dis, hein, oui, je suis conscient de ça. Moi, mais l'aide, oui, en pile fois, je me dis, c'est prestigieux quoi, pour enseigner MIT. Mais à la lumière de tout ça, je me dis là, yo, place-moi pas MIT, non? Place-moi, c'est l'allié, oui. Non, c'est qui ce qui est allié, oui. C'est pas MIT que lié, non? MIT n'a rien à gagner. MIT n'a rien à gagner. La pigeme quelque part pour expérience là, mais quelque part si on n'a pas les dons transfert, on rend compte que ma présence à MIT lui crée un désavantage compétitif pour le pays. C'est-à-dire que gonti moun ki chita aux États-Unis cap apprendre de expérience moyen au détriment de tout moun ki ski au détriment de tout moun inage yo à cause de toute absence de réflexion de politique n'a parlé là quelque part. D'où oui moi rejoignons que gon exercice là, c'est pour ça tout ça me t'a fait là je dis on peut marquer pas parler de gouvernement, pas parler de un petit peu la diplomatie dans le sens classique, m'a parler de relations en globalité li, tout acteur confondu. C'est-à-dire c'est le fruit du hasard, moi viens à Haïti semaine ça et puis conférence en fait, mais de manière systématique, nous toujours dit mon waouh, même si m'étais ambassadeur qui était puis abouti dans l'histoire diplomatique et de la diplomatie haïtienne, mais ou supposé qu'à apprendre de abouti m'a fait l'autre bon, mais qu'on y a sous qui canva que ça qu'a fait. Sorti de moi-même qu'a publié, sorti de l'autre monde qu'a capitalisé sous lui, oui, il y a un danger. Encore me mettre dans un contexte compétitif. Gonti monde qui chita aux États-Unis qu'a apprendre développement international MIT, moi gagne en ballon avantage, son petit monde qui kiskea sur marché du travail là. Monti nous ça me dit. Alors sur cette base, on dit oui, moi rejoins nous là-dedans. Au point de Leslie Voltaire. On t'a souhaité gain 20 haïtiens en dans congrès américain. En clair sous ça n'a dit. La diaspora haïtienne, c'est une construction que lié qui prend temps pour que lié atteigne un degré de maturité. Côté diaspora était en 1980, il pas là encore. En 1980, c'est papa qui t'a conduit taxi Boston. Mais en 2000, c'est mon petit papa qui a travaillé Goldman Sachs. Ainsi de suite. C'est-à-dire que mon qui a travaillé, qui a lavé Tigran, mon ainsi de suite. C'est-à-dire que diaspora, si on regarde chronologiquement, les petits toujours. C'est grandi, l'a grandi. Nous pouvons atteindre maturité, ça, qu'on pense. C'est deux, trois graines qui sont effet bouche-bouteille. Il y a deux, trois personnes qui ont sauté. Mais nous pouvons atteindre maturité ça. Et d'ailleurs, c'est une plaidoirie avec un peu de monde dans la diaspora autour de l'élection qui s'est faite là. En 2016, le candidat Trump a gagné la Floride avec moins de 2% de l'électorat total de la Floride. Haïtiens, ils représentaient plus que 2% de l'électorat total de la Floride. En d'autres termes, nous sommes forces sur le papier. Mais dans le concret, nous ne parlons pas du tout. Nous pouvons faire preuve de sophistication. C'est-à-dire, je dis, il y a un pile d'efforts qui ont fait. C'est-à-dire que nous avons une association d'élus haïtiano-américains aux États-Unis, par exemple. Nous sortis de peut-être une dizaine de monde, un monde qui sont magistrats, un monde qui sont city councilmen. Présentement, dernière fois, ils ont invité à parler avec eux. Ils étaient plus d'une centaine. C'est-à-dire que l'espace politique américain, graduellement, il a grandi. Mais c'est une construction. Là, on a dit comme ça que, ok, est-ce que moyen yo, nous commençons à mettre derrière moun sa yo pour que yo commence à faire chemin jusqu'à ce que nous gon voir vraiment si qui voit réel pas nous. Mais pour moi, c'est une construction. T'es une question autour de image. Non. Rendez-vous énergétique. Non, bon, ma bonne point ça sur l'autre angle. Regardez qui ça fait dans le monde là. Vous avez remarqué début, l'introduction, maintenant, tu as parlé de saut qualitatif. Nous rappelons. Et m'estimer que les États-Unis ont un rôle qui a joué dans ça. On va parler de gouvernement américain. Mais j'espère que tout le monde clair de la relation haïtiano-américaine, je vais garder la globalité. Regardez qui s'est fait pendant 25-30 dernières années. Initialement, le petit monde Jérémy a besoin de les papas qui capturent le taxi Boston. Faut mal lancer l'écho, m'chita, pour l'altidor, cabine 3, si gagne si qui m'parler, m'parler. En peu de temps, gon révolution qui fait dans domaine ça et voilà jodi a là, nous ka fait toute journée à parler sur WhatsApp, nous pas ça pas coûte un goud.
Te gon ti moment l'année 90 ou pral l'an 2000, n'importe si papier ou des imprimés, pour passer dans la rue à là, pour jouer un petit cybercafé, gon nek kap fon ti totolo, et puis ou mande ba li pou. Mais je dis à ou ka rentre l'on magasin, ou achete un imprimante laser pour $35. Qui ça me vle di là? C'est dit m'a dit que, gon ensemble de grands pas que mon de la fait de façon exponentielle. Et voilà que je dis à m'estimer que, gon bon troisième révolution qu'a fait l'ange nous là, il y a très peu de monde dans monde qui rend compte de ça. Ou rend nous compte que presque ça clan même dans là. Jodi an, gen un monde qui peut-être qui cache ta Jérémie dans la cour la Kali qui a fait ça pour col. En d'autres termes, technique de fabrication li révolutionné monde là. C'est-à-dire que la Chine pendant ces dernières années, c'était factory monde là entre guillemets. Mais je dis à factory monde là, on doit faire dans la cour la caille moi. Même imprimante laser pour me découper table ça. Il m'a pas aucune formation technique comme s'il fait table. M'a travaille avec un professeur MIT présentement. Il prend 2 semaines. Et mon petit petit 7 ans, il te dit Paul, mais petit petit 7 ans là, m'a pour toi qu'a font chaise pour dans 2 semaines. Petit petit moi qu'a font table aujourd'hui. Ça me l'a dit par là, c'est dit m'a dit comme ça que gain un avancement exponentiel qu'a fait. Dans le monde là, et là, je parle de relations haïtiano-américaines, qui gens pour nous commencer à comprendre le côté monde là, pour aller et capitaliser sur eux. C'est-à-dire, je dis à un boss Ebenis qui chita en dehors Jérémy, je dis comme ça que tout ce qui est dans le monde là, il suppose qu'il fait avec même précision ça à partir de l'équipement technologique dans il y a 5 ans. C'est bon exponentiel ça, n'a parlé là. Il y a un équipement laser pour te couper bois. Il fut un temps qu'il a acheté pour $100,000, je dis qu'il a coûté $2,000. Bon, si nous voyons ça, m'a dit, non? Alors, quelque part, c'est dit, m'a dit comme ça que, bon, bon outil qui commence à mettre à disponibilité, non? Qui littéralement, c'est toute mutation ça qu'a fait dans le monde là, c'est réflexion stratégique ça n'a pas là. Ce vers quoi on se dirige? Quel est l'énergie? Quel est n'importe domaine défini? Mais quelque part, avec une vue du futur, qui ça qu'a dessiné là? Et voilà que payant l'iloc long débat presque interne d'ordre politique, et voilà que toute avancée qu'a fait pour nous capitaliser sur yo, et voilà que nous pas exploiter à ses fins. Pour moi, c'est défi yo quelque part. C'est-à-dire, jodia, on est cap ranger moto Jérémy. Est-ce que les besoins vous et pièces là dans la maison pour maison en dire 3 mois pour aller chercher le Japon? Et voilà que une technique moderne qui démocratise tout système ça de production mondiale là qui fait que tes amis ça achète à Jérémy les ka gen ti factory pal la ka li ka produit bagay ça yo. C'est énorme ça n'a dit là. C'est en moins de 20 en moins de 10 ans tout bagay ça vous fait. Et voilà que payant pour que l'on débat comme ça en d'autres termes si n'a font saut qualitatif qui outil gen la menon qui gen ka capitaliser sur relation ça avec les États-Unis ainsi de suite. C'est de ça n'a parlé. Et pour finir avec cette question qui était liée avec comme si image payant, nous retournons dans le même débat encore. Oui. L'homme noir haïtien là-bas, et Zamien Dali Valem, espère qu'il a parlé de ça. Ou dit mon nom, ou mouton taxi, ou parler dans le téléphone, ou a un petit accent, le monde de sorti. Ou dit l'ou c'est haïtien lié. Et presque c'est un grand pile monde qui a témoigné de expérience ça. Ou fin parler, ou dit c'est haïtien encore. En plus, il faut entendre, oh, ton pauvre pays. En d'autres termes, il y a une perception de pitié que les gens ont pour nous. Pour qui ça? Parce que c'est ça qui nous vend. Haïti, dans ce monde-là, c'est uniquement Cité-Soleil. C'est-à-dire que c'est normal que n'importe qui a regardé Haïti, pour lui-même, si on met une chemise sous, il y a un problème. Comment fait Haïti met une chemise sous? Parce que tout le monde, c'est un bonbon qui fait à terre, il mange. C'est narratif là ça. Mais c'est une vérité. Il faut travailler sur ranger Cité Soleil. Mais quelque part aussi, je me dis comme ça que, il y a l'autre pays aussi que je vis là-dedans. Je levais Jérémy, marcher dans la rue, il y a un bon bagage qui était qu'on marchait bien. Jusqu'à présent, comme ambassadeur, chaque homme vient en Haïti, je descends à jouer au football champ de masse. Pendant tout le monde a dit que je n'ai pas sécurité. Pas dit que je n'ai pas sécurité, non. Mais je parti là-dedans, je me dis comme ça que, attends, c'est action nous avec inaction nous par moment qui crée des gringos là-dedans. Vous comprenez bien ça me dit, hein? Actionnons et inactionnons. Nous devinons artisanat en fait avec mes 2 filles il y a quelques années comme ambassadeur. Tiquet mettait photo avec 2 timonio dans l'artisanat en fait.
majorité moun k'ap fè commentaire, mes amis, ou gen ap gajon fou ou prend deux ti moun ou men Haïti pourquoi? Alors que deux ti moun men yo, ils yo pa jam prend plaisir comme ça pendant yo vini site. Yo boire fresco dans la ria, yo fait toute qualité bagay. Mais ça me veut dire c'est que me dit comme ça que gon projection nous fait de paysan, nous fait de paysan qui viennent porter le flanc à image négative ça nous gagne. Il suffit aller sur internet pour regarder ti photo Naomi Osaka fait récemment après le gagne US Open yo. Ou pour bon oh, ou si c'est Haïti le té on ti photo elle fait sur une plage oui. Comprendre bien ça m'a dit n'a pas les bagages très trivial. Et voilà que la perception du pays, c'est une destination de pitié, c'est une destination de charité. C'est là m'a dit que gon responsabilité interne qui retourne dans ça d'Ali Valet a dit gon bon bagage là c'est en dedans cala pour décider yo qui ça n'a vendre. Parce que ça ne vendait ça mon acheter. Et voilà, c'est façon ça me dit en partie mon façon qu'on ca mettre en pile ti haïtien ou américain ça yo à l'œuvre. Payant pas t'ap ca payer. On firme de relations publiques vu nos moyens pour n'a faire la promotion du pays. Ça dit jodi a on mon grand Naomi Osaka, li ca faire le plus bien qu'on firme de relations publiques de par son influence. Et voilà que nous chita là, nous elle cap monter cap descendre, il n'y a aucune réflexion à ce niveau. C'est suicidaire. Merci beaucoup, merci. Ambassadeur Altidor. Je pense que nous arrivons dans le dernier. Oui, tu as raison. Écoute, et intérêt l'État. Et le pays profond. Le pays profond. Intérêt spécifique, l'État haïtien, qui vont réconcilier là avec l'intérêt de l'État profond. Ça, c'est l'État profond. C'est un système international. Parce que Haïti, soit près d'Haïti, dans tous les pays, dans tous les pays de la région, a cherché l'investissement étranger. Pour l'économie université, c'est pas un rapport avec l'économie internationale. Et pas ça n'a fait. Comment on peut même réconcilier l'intérêt de l'État haïtien avec l'intérêt de l'État profond? Je ne sais pas, c'est deux concepts qui sont mutuellement exclusifs. Haïti fait partie d'une communauté que là dans l'île. Encore, c'est une articulation interne de mon point de vue qui peut parler de bagaille profond, ça qui fait référence à lui maintenant. En d'autres termes, c'est Dimab dit comme ça que peu importe ce qui fait à l'international, et je retourne dans le point que j'ai fait avant, nous c'est joueurs souterrains. En fait, nous joueurs qui ont pile moyen pour nous jouer bien. Gardez la région Caraïbes pour eux. En termes d'accès, par exemple, au Congrès américain, accès comme ambassadeur, majorité de pays dans la région, ils n'ont pas gagné long. C'est-à-dire que les choses pour nous articuler là, nous disons qu'on fait business, mais on regarde, est-ce que, c'est pour ça que nous avons parlé de politique publique encore, est-ce que des démarches nous institutionnalisées, nous montrer que c'est la direction ça que nous parlons. Bon, pour exemple, avoir qui simple qui lié avec l'université haïtienne. C'est mon point de vue que payant voye trop moun al étudier là-bas sans que nous pas gon regard sur ça moun a pas prendre. Mais si mais que grand pile ti haïtien kal non bon pays qui prend éducation au rabais. C'est mon point de vue personnel. Quand y a la démarche avec les États-Unis, n'a parlé de investissement, n'a parlé de faire payer en l'autre gens. Le cursus université américain. Il est conseillé et même yo obligé ti moun yo al font semestre son côté quelque part. Suivez logiquement. Voilà que Haïti n'existe pas sur cette carte. C'est-à-dire qu'on dit que les gens qui sont en troisième année université là-bas, ils disent comme ça que, allez se faire un semestre Costa Rica, allez se faire une année quelque part dans le monde, pour comprendre comment le monde fonctionne ou pas pourquoi le monde est à l'ouel. Qui ça veut dire? Par exemple, dans l'université, quand on a enseigné, si les gens payent environ 60 000 dollars par année, par année MIT. Et voilà que pour le faire un semestre l'autre bord, je garantis que peut-être, il y a 15 à 20 000 dollars dans l'agence qui peut jouer une institution académique côté le Pralé, Costa Rica. Je dis n'importe quoi. Hier, moi, je suis responsable de la faculté des sciences. Pour me comprendre un petit peu ce qu'a fait avec la faculté A au niveau de reconstruction. Et puis, je dis en passant, c'est quoi le budget de la faculté des sciences? Je dis, Paul, je n'ai pas un chiffre là, mais je pense que il est avoisiné de 100 000 dollars. Excusez-moi. Comprendre bien ça m'a dit. Moi, je suis à l'ambassade d'Haïti, Washington. Pour me taper peut-être après les deux, trois sénateurs, deux, trois ministres, écoute,
j'ai besoin que monter Washington ou bien m'pral Boston avant m'pral Californie avant moi besoin que Yale University fait partenariat avec l'université haïtienne. Mais politiquement qui ça veut dire pour Haïti faire partenariat ça nous pas ka gen travel warning yo ka pédé emmerder que moun pas ka venir ici. Mais côté wall sénateur important. Excusez-moi. Et puis qu'on y a mes côté wall par exemple insécurité, nous besoin pays à un climat de sécurité, on dit insécurité dans le sens large, mais au bout du compte qui ça me dit. Ou imaginons avec 6 timoun qui viennent apprendre 1 plus 1 égale 2 dans la faculté des sciences, problème financier faculté des sciences résout pour année. Et voilà que dans le débat national, tout le monde a dit on va faire un petit boost pour un petit moun parti comme si c'est ça qui va le faire succès comme ambassadeur. Tu vois la différence? Et voilà que moi-même, pas même garder même en termes de seulement de partenariat, non, garder même dans un terme d'investissement. On ti moun vin faire un semestre ici, ça veut dire qui ça? Maman la vin wel, papa la vin wel, y a monté taxi, y a mangé, faut que loger. Encore ou entrer dans l'autre dynamique. Mais ça me dit la dynamique ça, faut qu'il réfléchit, c'est-à-dire le pays et bagaille profond à parler, on pas ouais que mutuellement exclusif à ça m'a dit là quelque part, le point de départ c'est l'interne d'abord. Si je ne dis pas assez, comme tu as parlé de relations internationales, oui, il y a une obligation pour que le pays, je me retire le mot « rea », la repenser, il y a une obligation là pour le pays de penser la relation. En dans relation ça, oui, il sous-entend que faut que vous pensez le pays d'abord. Merci. Merci beaucoup, ambassadeur Antidon. Il y a un pile d'idées que nous échangeons là. Et pas oublier que ça fait dans le contexte justement d'un monde qui a changé. Un monde qui a changé après la pandémie COVID-19. Là. Côté que, il y a une bonne délocalisation qui a fait qu'on y a là. Et nous-mêmes justement, par rapport à ça que l'ambassadeur Altidor a parlé là, sous question de vision panneau de pays, hein, pour nous définir une stratégie très claire, il faut une stratégie à tout définir par rapport à ça qu'a fait au niveau mondial. Par exemple, en République dominicaine, je vous annonce que, même par rapport à des localisations qui ont fait dans ces firmes multinationales du côté de l'Asie pour venir dans un terrain que, entre guillemets, il y a plus ou moins, il y a plus même isolé, la République dominicaine déjà a positionné. Nous-mêmes, en Haïti, nous avons supposé avoir un discours interne, une autre narrative interne, justement, qui a permis de nous installer une autre compréhension de relations avec l'autre pays, relations avec les États-Unis en particulier. Donc c'est dans le cadre de ça, conférence à TAP fait, parce que l'université Kiskeya permet que nous échangeons bonne idée, peut-être une bonne question qui était pendante, mais dans le temps que nous gagnons là, c'est évident que nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions. Voilà. Une bonne question qui est en attente, monde qui le veut, même malheureusement, qui ne peut pas en parler. Je pense que probablement, cher que le recteur parle là, qui va permettre de nous penser aux relations haïtiano et américaines. Mais tout, suggérer, cher haïtiano et relation haïtiano-dominicaine, est aussi important pour un côté qui prend nous comme ça, que nous ayons une relation intense avec elle, dans l'importation que nous avons fait, nous avons parlé de plus d'un milliard de dollars chaque année. Donc, ce n'est qu'une continuité de sa université qui a fait. Il y a l'autre qui a venu encore. Mais espérer tout le monde qui est là, nous satisfait. Par contre, si le recteur a un dernier mot de remerciement. En tout cas, nous remercions tout le monde qui est là, mon secteur privé, mon société civile, les journalistes qui sont là avec nous, tous les amis qui sont là, que m'a regardé, qui viennent participer à la réflexion. Ça. Donc, à l'autre journée de réflexion au niveau de l'université qui est là. Merci beaucoup.